Barbera, toi moi soleil ma vera, Versace, Gucci, Margera, j'ai la classe comme Manny Rivera. Cigario, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero, je l'ai juste invité à dîner. Elle dans sa tête, elle veut déjà se marier. Que du bif, que du bif, que du bif, que la mif, que la mif, que la mif, que du bif, que du bif, que du bif, oh ouais. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto Rico, je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Mi amor, veux changement de décor. Mi amor, j't'ai vu depuis le Mirado. Mettre la daronne à l'abri, j'donnerai tout pour ma famille, s'éloigner des ennemis, faire plaisir à mon papy. J'veux la cuenta, la cuenta, la cuenta, billets violets, viande de caramelo. J'veux la cuenta, la cuenta, la cuenta, traficante toujours dans le bendo. Que du bif, que du bif, que du bif, que la mif, que la mif, que la mif, que du bif, que du bif, que du bif, oh ouais. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto Rico, je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Mi amor, veux changement de décor. Mi amor, j't'ai vu depuis le Mirado. Depuis le Mirado. Par contre, ah, c'est pas possible. Ok, je lance deux musiques, ok. YouTube m'annonce, ok. Première musique, 2 minutes 49. Mais en fait, je suis putain de con. Ok. Non, j'allais dire une dinguerie de fou. J'étais en mode 2 minutes 49 plus 2 minutes 51, ça fait 5 minutes. Mais je suis un putain de connard, parce que les secondes, ça s'arrête à 60 et pas à 100. Putain, mais je suis un enculé. J'étais en mode, bah c'est parfait, 2049 plus 2051, ça fait 5 minutes, c'est tout bon, c'est tout pile, c'est pour l'intro. Là, je comprenais pas, j'arrive pas à la fin de la musique et tout. Mais c'est normal, je suis juste putain de con en fait. Ça, c'est mon stream. Hop, on ferme. Et là, nous allons jouer ce soir à GTA V. Comment allez-vous, les amis? Je sais pas s'il y a du monde, mais c'est pas grave. Donc, ce soir, on va relancer un vieux jeu, GTA V, jeu sorti en 2013, refait en 2015 sur PC. Bon, pas besoin de faire l'historique, vous connaissez tous. Aujourd'hui, on joue au roleplay de ce jeu. Donc, la version, en gros, on est censé simuler la vraie vie. Mais on est sur des vieilles sauvegardes parce qu'on jouait beaucoup au roleplay à une époque, fut un temps, comme on pourrait dire. Et on a arrêté parce qu'on se faisait bien chier au bout d'un moment. Et là, on n'avait pas envie d'y retourner de manière sérieuse, mais de manière à faire des conneries. On a beaucoup d'argent pour faire ça. Moi, je crois que j'ai un truc comme 3 millions, et Gabi a 400 000 dollars in-game. Donc, on va commencer par aller s'acheter des petits guns et tout. On va se retrouver. Donc, je vais vous mettre directement la grosse, grosse cam. Voilà. Là, on y est. Là, on y est. Voici une de mes voitures. Donc, on n'apparaît pas chez moi, parce que bah, je suis parti de chez moi, voilà. Mais là, on a une de mes voitures, une voiture qui est souvent utilisée par les criminels. C'est un peu ce qu'on va être ce soir, vu qu'on va aller s'acheter des fusils à pompe sans le permis à port d'armes lourd. Et voilà, je vais faire un petit tour, menu des portes, on a le coffre, le capot, là. Avec des magnifiques V8 Maserati, là. Parce que ça ressemble tout de même à une Maserati, peu importe ce qu'on en dit. Avec un coffre où il y a beaucoup de place pour, par exemple, mettre un criminel. Alors, regarde, entrer dans le coffre, on peut rentrer dans le coffre. Et là, sortir du coffre. Hop là. Ah, j'ai tout baisé. Mais n'empêche que ça marche, ça tient. Et on est un concessionnaire en fait. En réalité, on n'est pas. Juste fermer ma voiture pour précaution, mais en fait, ici, c'est un lieu très très beau de GTA V. C'est aussi, surtout un concessionnaire en fait. Avec énormément de véhicules que je peux m'acheter, mais dont j'ai pas vraiment envie de m'embarrasser avec. Sauf la Elegy là, parce que j'ai une Supra.
j'ai l'équivalent de la Supra Endgame, et j'aimerais bien avoir l'équivalent de la R32. Fut un temps où je l'avais, mais je l'ai pas. Je l'ai revendu en fait. C'est fut un temps où je l'avais, j'étais concessionnaire. Je l'ai eu 3 heures. Elle était tellement convoitée à cette époque que je l'ai eu 3 heures. Et au bout de 3 heures, il y a un autre gars, il est venu me la racheter. Preuve que je me faisais quand même des grosses sessions de jeu parce que j'ai dit que 3 heures. Alors que pour beaucoup, une session de jeu de 3 heures, c'est déjà une bonne grosse session, tu vois. Je regarde vite fait un peu ce qu'il y a. On a des véhicules à 500 000, bien plus abordables pour la plupart des gens. On a la MK5, yes, on a des véhicules à 500 000, on a des véhicules. Voilà, à 900 000, 10 millions. La Cinquemila, le véhicule que j'ai actuellement, à 900 000. On a l'e-Wagon, véhicule électrique, pas très intéressant en soi. Et on a la Zeno, un véhicule sportif. J'ai juste envie, avant de re-rejoindre Gabi, on va aller voir la vue, parce qu'elle doit être incroyable d'ici. Une vue imprenable, je dirais même. Là, t'as l'impression de dominer Los Santos d'ici, ça va être incroyable. Hop. Oh merde. Pouah, comment il s'est mangé. Voilà. La vue est belle. J'espère qu'on aura ça en miniature parce que la vue est magnifique. Attends, je veux ça moi en miniature. Comment on fait pour F12? Voilà. C'est beau. C'est beau. Bon, on va retourner à notre voiture. On va aller retrouver Gabi qui est au Pano Vinwood. Il est là-bas, là, au Pano Vinwood. Pano Vinwood, d'ailleurs, que je n'ai pas su rejoindre. Je voulais y aller et je suis arrivé ici. Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué au GTA. Ça fait longtemps. J'espère qu'il sera encore là-bas quand on va arriver. On va pouvoir le faire chier un petit peu. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Cinquemila. Donc, c'est un peu mort là parce qu'on est dans des zones pas très occupées. Mais je vous rassure, hein, il y a des points sur la map où il y a beaucoup de gens réunis. Surtout au centre-ville, vous verrez. Mais t'as l'hôpital aussi, et t'as les quartiers chauds où on va aller pour aller s'alimenter en armes. Parce que là, l'objectif, ça va être de s'armer lourdement, puisqu'on a plus rien de légal en fait avec Gabi. Moi, j'étais à la LSPD, je me suis fait virer. Parce que je jouais plus en fait, tout simplement. Et donc, on s'est dit, viens, on achète des gros guns pour pouvoir se défendre. Et si quelqu'un nous braque, on sort tous les deux un pompe, tu vois, un truc comme ça. Et au pire, si on se fait ban ce soir, genre pas un ban perm, ça serait chiant, mais juste un ban normal en 24 heures, ça peut être drôle, ça peut être drôle pour le live. Donc en fait, les lettres, elles étaient juste là, et moi, comme un con, j'ai fait. Qu'est-ce qu'on croise juste là? Par contre, what the fuck, c'est moi qui bug ou c'est lui? What the fuck? On a eu la Ah mais tiens, on a eu t'étais la là toi. putain de même idée, gros, c'est abusé. Tu voulais retourner où? Bah moi en fait je voulais venir te rejoindre parce que je pensais que t'étais encore en intro. Et je me suis dit je vais te Ah rejoindre, je vais aller te faire non! chier et tout, ça va être drôle. Moi j'étais juste en fait là je m'étais posé parce que j'écoutais une voiture derrière moi, je me suis dit attends, tout d'un coup je vais me faire braquer, du coup je me posais pour prendre mon arme et au cas où. Et Mais non, c'est. Bah ouais, je vais te braquer. Les mains en l'air, les mains en l'air. Oh, regarde, j'ai un non, doigt, les mains en non, l'air. Fais non, gaffe, j'ai un doigt, non, gros. non, J'ai un doigt. non, non. Je vais me prendre une balle tête. Ah! Dégage, dégage, dégage. On se met sur une radio, sur une radio. Mais il a pas entendu. Je sais pas où est-ce qu'il va. Il m'a pas dit. T'as rien vu, ok? Ah, saloperie! What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu veux rentrer? Mais Tu m'as je t'ai pas soulevé. rentré dedans, gros! Tu m'as soulevé sur mon. Oh, sur mes gros. lunettes. Sur tes lunettes. Vas-y, viens, on se met sur une radio commune. Genre 3630. Ah, la fameuse. C'est quoi déjà? Tu sais, faut penser Y a très déjà fort. des mecs sur la radio, il y a déjà des mecs sur la radio. J'ai pas compris, tu les grésilles, t'es dans le nord? C'est quoi déjà comme truc pour tu sais penser très fort à la radio et puis qu'elle.
tu vois, genre que je la prenne dans mes mains. Tu penses très fort à F1. Tu penses très fort à F1. F1, c'est F1? Ouais, et Ah ouais. tu mets 3630, 3630. Tu mets deux fois 3630 parce que la 3630 normale est déjà prise. Y a des mecs, ils ont eu la même idée que nous. Ouais, mais ça a toujours été le même, hein. Ok, Ok, en en dehors d'eux, dehors tu d'eux, me tu m'écoutes? coûtes? Yes, je t'écoute et toi? Bien, toujours. Voilà, on va pouvoir se call. On fait un arrêt à la banque, on va aller récupérer de la thune. Ouais, du coup. Attends, c'est où la banque? Attends, je te suis. On va aller défoncer des grands darons là, c'est parti. Fais gaffe, y a des mecs, des policiers et tout à la supérette. Ah ouais, j'ai vu ça. Je suis passé tranquille à côté, mais bon, avec ma voiture niquée. Je suis passé pleine balle à côté comme un connard. Je vais prendre 100 000 balles. Fais gaffe, on récupère 100 000. Attends, frérot, je suis Ouais, avec mon arme 100 000. dans les mains, oui. Ouais, pose ton arme, tu vas avoir des problèmes. Sauf si t'as un permis port d'arme, toi, ou pas? Mais bien Ouais, sûr que j'en mais ai t'as un. un casier aussi! Ah oui, Oh, t'es un malade, t'es un malade! Gros, tu t'es fait voler ta voiture? Je ça déconne! pue, va. En plus, genre, c'est pas vraiment. Mais oui, mais c'est trop. C'est pas genre vraiment, je l'avais éteint. Enfin, genre, verrouillé. Suis-moi, on va commencer par les ballasses. Donc là, on va aller dans les quartiers Vas-y, chauds. vas-y, après, j'ai une arme sur moi. Est-ce que c'est. Ouais, t'inquiète, on va dire que t'es mon garde du corps. Est-ce qu'ils vont nous fouiller, je crois. Vraiment pas. Ouais, je sais pas. Par contre, je me suis fait flasher, du coup j'ai moins de 100 000, mais t'inquiète. Merde, des flics. Si tu les vois, fuis. Moi, tu connais mes Yes. talents de conduite que j'ai plus d'ailleurs. Moi non plus, t'inquiète. T'as dit quoi? Je les ai plus non plus, les talents de conduite. Moi, je les ai un peu moins, mais je les ai quand même toujours. On rentre doucement, Fais gaffe, y'a une bête c'est qui des est quartiers passée. chauds. C'est des quartiers chauds, on rentre doucement. Ça, je sais bien ça. On finit le trajet à pied, ils aiment pas qu'on rentre en voiture de trop. Allez, viens, pose-toi, arrête au stop. Je sais pas s'il y a du monde. Moi non plus, il y a des voitures, donc j'ose espérer qu'il y ait du monde. Ouais, juste. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va poser son. Il va poser son gun, il va poser son gun. Mais là, je parle pas in-game pour le dire. Donc, je sais pas comment vous pouvez savoir que je parle in-game ou pas. Faudrait que je prévoie un truc. Si, en tout cas, sachez que quand j'appuie sur un bouton de ma souris, je parle in-game. Donc, si vous voyez mon pouce bouger, c'est que je suis en train de parler in-game. Attends-moi. Ouais. T'as vu, il y a des chaussures là suspendues en haut. Où? Ah ouais. Ah oui, il y a du monde. Ils sont où? Bah là, voiture derrière. Mais bon, on va voir. Il a l'air d'être dans sa tête. Salut mec, je vous dérange Ah! pas? Bah bonjour monsieur, je vous ai pas vu. On cherche des ballasses. Vous êtes un ballasse? Frérot, qu'est-ce que tu fous dans la raquette? Mais je sais pas ce que c'est quoi la Ah, en raquette. fait, on était là pour un petit renseignement. C'est quoi la raquette? Bah c'est C'est là où ça t'es en là. fait frérot, si tu C'est veux là, ici, venir là. parler à des gens, tu dépasses pas le stop. Ah pardon! Mais c'est qu'en fait il y avait Retour personne. arrière. On fait retour, on fait retour. Faut faire gaffe, Putain, on j'avais peut se j'avais faire oublié un défoncer truc. hyper rapidement gros, fais gaffe hein. Oui, je Ils sais, sont tendus les t'inquiète mecs, ils pas. sont tendus, t'inquiète. Faut être Bien sûr, je sais diplomate. pas, je sais. C'était pouvoir pour acheter des armes. Ouais, on venait pour Acheter des affaires. armes. Ouais. On sait qu'il y a des Alors trafics moi d'armes j'en. par ici, donc. Ouais, moi j'en. Vous en vendez pas? On serait T'es plus. pas t'es Je suis pas quoi? t'es pas trop t'es pas trop de la police toi ça va? Nous? Non, je suis plus, je me suis Non. fait virer hier. Je pue le seum. Je pue le seum. Pourquoi tu mens frère? Et tu sais quoi tu veux Mais. de la moto? Je suis pas de la police, tu sais que. Non, J'ai pas de badge.
Tu peux me fouiller, j'ai même pas de Tu badge. veux. Putain, mon pro, Tu c'est veux du pour. hashish? C'est quoi du hashish? Hashish? Non, des armes. Non, mais on veut juste un putain de pompe, t'as des pompes à Putain vendre. de Ah, keuf, pompe ou arrête. Uzi ou je sais pas, y'a pas un Non, truc? les keufs ils viennent pas comme ça. Y a pas de keufs Ah sous oui, viennent pas comme couverture. ça les keufs. Mais y a pas de keufs sous couverture. Ah ouais, t'inquiète. Y en a? Putain, mais pourquoi j'ai pas fait Y'a l'aspect ça? Putain, j'étais personne qui con vend toi. ici. Ici c'est un quartier tout calme. Y'a rien ici. Arrête de Y'a un mentir, quartier je tout veux un calme. putain de pompe, merde! Je vais tout péter! Y'a personne qui vend ici, frère. C'est un quartier plus calme. Arrête Juste, t'as pas demi-tour, possible tu de crois des vrais juste que je suis vendeurs un flic, d'armes. tu veux pas dire? Si tu veux des Tout à vrais l'heure, vendeurs d'armes t'as bien dit quel dangereux, type d'armes? On Ouais? vous a demandé. J'ai rien dit. Ouais. J'ai rien dit. Mais je veux Si tu pas de veux, dangereux, oh, je veux écoute. juste un mec qui me vend une arme. T'as pas un contact qui vend Si une tu veux des arme? vrais, si tu veux des vrais. Non, j'ai pas de contact. Ici, c'est un quartier tranquille. Si tu veux des vrais Arrête bandits bien demi-tour, arrête dangereux, va demi-tour. voir le quartier Families. Eux, par contre, c'est des putains de tarés, faut tous les C'est arrêter. juste tes ennemis, t'as envie d'envoyer les keufs là-bas, mais je suis pas keuf. Ça me saoule. Aussi, t'as une tête de keuf, Mais wesh. c'est C'est bien. normal, j'étais keuf, il y a une semaine j'étais keuf. Ah, sa C'est mère. normal qu'il me suspecte, Mais il a les déjà dû gars, me voir en tant que keuf. y a un frérot. Mec, t'es en costume, chaussures des Moi? cow-boys blonds. Toi, t'as un béret, chemise. Mais c'est Faut pas me dire normal. que t'es pas keuf, frérot. Mais c'est normal, On on fait les habille mecs tranquille, sérieux. normal, C'est genre les tu mecs qui rentres, tu vois. paraissent le plus sérieux qui sont souvent les pires. Voilà, nous on est propre, on est bien sur nous, quoi. Mais oui. Si vous voulez des armes, les gars, il y a l'armurerie. Hein. Non, mais y a pas de pompe là-bas. T'as craqué. Mais pourquoi t'as besoin d'un pompe, Mais cousin? parce que Et c'est puis impressionnant tu un fais des pompe. pour shampoing avec tes cheveux. Quoi? Impressionnant, tu fais quoi avec cette pompe? Bah, tu t'arrives avec un pompe, tu fais Hey, tout le monde à terre! Comme dans les films. Donc toi, tu vas faire des Oh, braquages, braquer j'entends. une banque, toi. Mais non, je veux pas braquer une banque, mais même pas une banque, juste pour le fun en vrai. Parce qu'on est un peu con. Écoute, il s'est dit, c'est un quartier tranquille ici. Y'a Bah, arrête de mytho. Mais putain, mais ça me saoule. Et l'autre, il pense que je suis un keuf, tout ça, parce que je suis suspect, j'en ai marre! J'en ai marre! T'es un putain de Bon, keuf. après, il a un peu raison, hein. Franchement, je serais dans son cas, j'aurais fait la même. Hein. Et lui, tu penses que c'est un Ouais. keuf ou pas? Moi? Oui. Ah ouais, c'est Pourquoi? ton collègue, lui. Mais C'est lui. officier Moi, je suis supérieur. jamais rentré dans la liste du genre. Il est Hein. Jean-Charles, frérot. Puis Putain, ça me rappelle arrête. une de la bonne époque. Officier supérieur Hans Wagner. Putain, c'était bon ça. Ouais, et c'est Voilà. toujours le cas, ouais. Non, Normal non, qu'il c'est vraiment pas le cas. Il trouve Regarde. suspect et t'as vu tout Je ce vends que pas tu dis, d'armes. mais. Mais je vends pas d'armes, moi. Regarde, j'ai pas de pièces de. Je me suis fait virer. Bah, Je me suis fait moi je virer. vends pas d'armes. Tu t'es fait virer pourquoi? À une activité. J'ai aussi Tu travaillais pas. écrasé 2-3 chiens avec le véhicule de fonction aussi. Ouais. Bon, je sais, c'est un peu con. Mais du coup, maintenant que je me suis fait virer, en fait, j'ai envie de partir en couille, tu vois. J'en peux plus, là. J'ai les nerfs, tu vois. J'ai envie de tout péter. C'est pour ça que je viens chercher des guns dans les quartiers chauds, un peu. Non mais moi je vends pas d'armes. Arrête de. Mais je te jure que je vends pas d'armes. Je suis sérieux, je vends pas d'armes. Non, tu dis ça parce que je suis un. T'es Est-ce sûr? que tu penses que je suis Je un suis keuf? sérieux que je vends pas T'as d'armes. quoi dans Je ton te. sac? Dans Tu mon vends pas sac, là, tout de d'armes suite. Tout de suite dans mon là? sac. Ouais. Ok. Dans mon sac, j'ai. Est-ce que t'es capable de lever les mains? Dans mon sac, dans mon sac, dans mon sac, j'ai des pommes. Un Ouais. casque de Ouais. moto. Ouais. Deux pompes à nous vendre. Mon t-shirt. Un petit kit de soins au cas où tu vois, je me blesse un Ok, peu. et si t'avais des pompes, tu les vendrais à combien? Si j'avais un pompe, Ouais. un pompe aujourd'hui ça doit coûter entre 90 000 je pense. 90 000, 90 000. 100 000. Je sais pas T'es combien ça sûr? coûte un pompe, hein. T'es sûr que c'est Je sais pas plutôt pas. 70 000, 15 000? 70 000 frère! Ah, Non, t'es j'en ai fou. acheté un à 75 000 moi la dernière fois. 75 000. Ouais. Mais il te la fait pas cher je crois. Hein. Ah Un bah pompe c'est c'est au des moins bons, c'est des 90 000 bons. là. Y a les contacts. Mais ils ont Bah fermé. allez voir ce contact du coup. Mais ils Hein? ont fermé, c'est pour ça que je viens vous voir vous. Sinon j'y serais Le contact retourné. c'était surtout Jean-Charles de l'armurerie du commissariat. Jean-Charles. Pourquoi tu les appelles tous Jean-Charles, les flics? Je sais pas. Je sais pas. Aïe aïe Y en a, aïe. ils ont des noms bien Bref, plus suspects que le tien. Hein. écoutez ce que je dis, je suis sérieux, je suis vraiment sérieux, je vends pas d'armes, moi je vends pas d'armes. De toute manière, il nous fera jamais confiance, donc vas-y, c'est bon, Mais cassez les je vous couilles. jure que je vends pas d'armes. Sa mère. Regarde-moi. Moi je me casse. C'est bon. Comment on fait pour acheter des armes dans un quartier aussi? On est trop propre sur nous, on est trop propre sur nous, on n'est pas assez suspect. Vas-y, pète les couilles, Géo Families. Putain, il a l'air d'avoir du monde.
Ah, tu veux un familier? Tu y es déjà? T'es bête d'y aller tout seul. Ah non, je t'attends. Voilà. Monsieur, vous allez bien? Je crois que ça a dû tirer ici. Hein. Allez, mène ton cul. Oh, ah c'est oui, bon, effectivement, ouais, ça a dû tirer. Hein. Ouais. J'sais Monsieur, pas ce vous avez besoin d'aide? J'ai un petit slash médic. Est-ce que c'est bien appelé médic? Est-ce qu'ils vont venir dans les quartiers familiers? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est ça que je me posais. C'est pas le problème de est-ce que c'est bien, monsieur, mais est-ce qu'ils vont est-ce venir que vous, ça vous vendez des armes? Mais c'est trop suspect aussi. Vas-y, j'en ai ras le cul. J'en ai marre. Les gens vont jamais croire que je veux juste acheter un gun. C'est pas qu'on est une clochard. C'est que. Mais on a pas du tout une clochard. Pas avec. Mais ce qu'on en fait, demande. Les gens pensent qu'on est des putains. Mais j'en ai ras le cul. Mais peut-être parce qu'on a la gueule de flic dans ces tenues. Mais c'est normal, on voulait être flic, passe un moment, t'es con ou quoi? Oui, c'est vrai. Après, je veux pas que j'ai fait l'illégal, wesh. Toto, ah mais... Oui, si, Toto, crois. Oui, toi, t'as un casier en plus. Mais eux, oui, ils j'ai pas un casier, j'ai fait ont, l'illégal. Ils ont pas les sites, ils peuvent pas, voilà. Oui, bah toi aussi, tu les as pas. Si, moi, je les ai. J'étais flic, je te signale. Je les ai encore, les mais sites. Mais tu peux aller encore regarder? Oui, c'est des très lots, tu peux aller voir autant que tu veux. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah en fait, ça peut juste se donner en vrai. En fait, ça sert à rien d'avoir les sites. En fait, genre, si t'es pas flic, ça te sert à rien les sites. C'est bah, juste ouais, ça en j'imagine fait. Bien. À part pour savoir, genre, ce type de choses, tu vois. Genre, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle veut là? Avec sa Bentley. En groupe ou c'est comment ici? Oh! Yo les man! Ça va tranquille? Yo! Allez, va voir, c'est bon, quand je suis. Oh là! Les gars, vous êtes des families ou pas? Ou des gangsters un peu? Bah, on a. Bah, lui, vu sa voiture, non? Mais. Moi, je suis une Kaira, ouais. Ouais. Wouah! Ah, bah, c'est ouah, bien non. Ça. Ouais! Non, mais les. Ouais. Oh, comment il force! Comment il force! Ouais. Quelle caisse! Ça va! Je vois pas, Reinhard, je vois pas. Là. Quelle caisse? Quelle caisse? Reinhard! Mais y'a rien du tout, gros! Ouais, je sais pas, genre. Là, ici, tu sais, ici, là. Où ça? Ah, mais le pire. Wesh, mais frérot, il. Je crois qu'il va vraiment pas, par contre. Ouais, du coup, mec! Ouais? Excuse-moi, mais. Genre... Ouais? Que veux-tu? Attends, bah, j'aimerais acheter un gun. Un pompe, plus précisément. Ah, un pompe, jure! Ouais. Est-ce que tu veux celui-là? Pote, il a disparu. Mais non, il est dans la voiture, t'inquiète. Ah, moi, je vois. Mais y'a pas de voiture. Ça y est, t'es descendu? Est-ce que t'aimes bien le pompe? Vas-y, montre le pompe, prends-le dans les mains, montre-le. J'arrive. Ouais, sa mère. Là, ouais, là dedans, là, ouais. Là, est-ce que tu me vois voler là? Bah, là, justement, tu fais du. Je dirais que tu glisses. Là, tu sautes. Ah, ouais, tu bah, non, je suis clairement genre sur le toit de ma caisse quoi. Oh. Oh. C'est bon, je crois qu'il est, ouais, parti, il est parti chercher un pompe. Va falloir qu'on en trouve ah, un deuxième pour deux. Toi. Oui, bah voilà, mais on va lui demander s'il en a déjà un. On regarde un peu la ouais, cam. Je vais demander s'il a pas un Uzi. Je sais pas, ça vaut combien un Uzi. Ah. Tu sais qu'un Uzi, c'est encore pire. Si tu te fais choper par les flics avec un Uzi, gros, t'es encore plus ouais, dans la merde qu'avec un pompe. Hein. Ouais, je sais. Ouais mon grand. Ouais. Non t'inquiète. Attends, je monte ça. Ouah c'est quoi ce pompe? C'est un pompe automatique ça wesh. C'est un pompe ouais, c'est du... Ça vaut combien ça? C'est un pompe automatique ça. Attends, vous voulez... Bah venez ici, venez. Ouais, on va s'éloigner un peu. Parce que je vais pas tirer ici quoi. Ici c'est abandonné, vous inquiétez pas. Okay. Comment on fait pour entrer? Alors, par là. Tu rentres. Ah bah pour moi elle était... What? Wow. Oh, y'a des problèmes hein. T'inquiète. Problème, mais... Du coup écartez-vous parce qu'à ce moment je mets une balle tête sans le faire exprès. Je tire. Je m'éloigne un peu. Ah je pensais que ça tirait plus vite. Sinon j'ai celui-là. Ah lui c'est un pompe conventionnel ouais. Et les deux tu nous les fais pour combien? Les deux? Les deux. Je pense que je vends plus. Oh non. Ah. Oh non. Oh j'ai un problème. Ah oh non c'est bon. Ah, okay, j'ai peur. Ah bah merde. J'ai cru que j'allais partir loin. Ah non. Non, ah, c'est... non. Ah non. Bon. Celui-là je le vends. Celui-là? Il est pas l'autre. L'autre non pas trop. Bah l'autre en fait on aurait besoin de deux pompes en fait c'est pour ça.
Mais il y en a un qui prend celui du bel peuple et l'autre il va s'en foutre. Bon, combien tu fais ton pompe rapide là? Est-ce qu'il est usé aussi? Alors, du coup, je viens de l'user, donc le premier que je t'ai montré là. Ouais. L'automatique? Ouais, l'automatique là. Il est usé à combien? Il est usé. Attends, je te dis ça. Je regarde les balles. Ah, ok, il est usé à que 986. Donc, il est pas usé quoi. Ok. Tu le vends à combien? Je regarde les prix parce que moi je. Attends. Moi, c'est un peu trop. Parce que moi, j'ai un budget de 100 000 à peu près pour un pompe. Ouais, 100 000, ouais. Ouais, 100 000 bah, c'est qu'en fait. Là, on a ce prix là, avec celui-là. Bah, je me suis fait flasher donc je suis à 99 240. Mais ça va. Oh, sa mère. C'est bon. Ah bah merde, du coup je trouve plus le... Ah merde, attends. T'inquiète. Après on ira chercher un autre gun. Pompe. Je te le fais à 110. Ouais, j'ai que 99 240 en fait sur moi, c'est ce que j'ai sur et moi. Et l'autre, t'as combien toi? Moi là j'ai 101 000. 101 000 ou 120 000? 101 000. Mais les gars, vous avez dit ça dans tout votre compte? Bah là sur nous là, en fait on a prévu 100 000 pour un pompe, on s'est dit un pompe ça vaut 100 000 quoi. Ou autour. Ouais c'est ça. Et un peu moins. Les gangs ils le vendent à 110. Il est pas parti, attends, l'autre il est pas parti parce que l'autre je l'aime trop. Super ça. Ah bah... Oh il y a des collègues là qui sont là, là des... Tu vas pas avant de faire bisous hein. Ouais du coup vas-y Au pire. Go 100 000 vas-y. Bah vas-y moi je te paye. Vas-y prends. Vas-y. Vas-y attends. Je le cherche. Oui c'est tout ce que j'ai sur moi, je me suis fait flasher avant de venir, je suis désolé. T'inquiète pas. Mais wesh. Attends. Parce que j'ai plein de choses dans mes poches. Ouais bah je m'en doute. Non. Yes, je vérifie juste vite fait. Yes, c'est ouais. Bon, c'est bon, l'usure nickel. Est bonne, l'usure est bonne. Bah nickel, merci. Merci. Bah de rien. Allez, on s'est jamais vu, bisous. On s'est jamais vu. Ok, du coup, la plaque 8175 et l'autre là, 6-9-8-7-8. C'est okay. La plaque, tu l'as jamais vue. Bon, bah nickel, faut aller chercher un autre. On va au Vagos, suis-moi. Allez, go les Vagos. Avec leur accent là, putain. On veut bien rigoler. Hélicoptère de riche, fais pas gaffe. On est d'accord, allez, en plus il a fait un truc pour eux. J'ai oublié de tourner. Ouais, j'ai vu ça, oui. Ils sont de l'autre côté, ils sont en haut. Fais gaffe, c'est eux les plus tendus. Ouais, je sais. Attends, faut vraiment que j'aille... C'est un malade. Rentre pas dans leur quartier, t'es un malade. Voilà. Attends, t'es où, je te vois pas. Bonjour, bonsoir, tout à fait. J'attends mon ami, on aimerait acheter des armes. Viens. Yes, attends, juge, l'attends, il arrive, il est là. C'est lui? Ouais, c'est lui, il aimerait acheter un pompe, un fusil à pompe. Venez. Ok. Eh, c'est vrai, ça mène dans ça, tu sais, mon pompe, il a fait tous les gangs. Genre? Bonsoir tout le monde. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum, comment bonsoir, tu peux passer ton haut, attends. Tu peux passer ton haut, s'il te plaît. Non, c'est pas, quand quelqu'un vous dit salam alaikum, vous dites alaikum salam. Alaikum salam. Genre après. Ok, non, okay. Ouais, merci du conseil. Merci pour le les, comment dire, c'est les textures. Non. Non, c'est vas-y, le petit. Les bras, vas-y, Gabi, je te laisse. Ouais. T'as entendu quoi? Bah, en fait, tu te non, sur. Je suis un connard. Je m'en fous. Il me faut t'inquiète, t'as entendu. On va dire que tu t'appelles Gabi, tu mérites qu'ils connaissent pas ton nom. C'est pas grave. Du coup, les gars. Bah, vas-y. Alors, c'est pour savoir si vous vendez pas des pompes. Reste là 2 secondes. Hein. Putain, vas-y, je vais à gauche. Ouais, un pompe. On va voir. Ok. Et moi, on va les checker dans les stocks. Ouais, c'est bon. Ouais, les gars, ouais, vas-y. Tu pompes normal, qui en veut? Ah, moi. Moi. C'est l'autre. Ok, tu connais les prix. Ouais. Alors. Bah là, j'ai 5 000 sur moi. Là.
100 000. Quoi? On les fait. Je ne parle pas. Tant pis. On les fait. T'as entendu les fous? 93 000. De quoi? Fou. Allez. Je viens de dire tout. Restez là. Et alors? Allez, vas-y, Jean-Cel. Vas-y, vas-y. T'as le doigt qui pointe. Ah, putain. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? C'est bon. Ouais, c'est bon, ouais, c'est mieux. C'est bon, nickel. Putain, ils ont des véhicules sympas. Hein. De fou. Ah ouais, ce que je vous disais et tout. Des petits véhicules. Putain, ça a géchant les véhicules des quartiers. Ouais, ça fait longtemps qu'on est pas venu. Mais... Ouais, ça fait des petits pick-up, c'est pas mal. Mais c'est stylé, franchement. Ça vaut combien un truc comme ça? Ça vaut 3€. Personne, toi. 3€. 3€. Ah ouais, ça c'est en bitcoin un peu, genre. Non, en bitcoin, non, ouais. Non, t'inquiète. Salut Anto, comment ça va? Bah là, on est en RP, là, on est RP, ouais, on est cool en pleine scène. Oh là, il y a du monde qui arrive. Wesh, wesh. Wesh. Eh, là, il est là. Eh, là, en fait, garez-vous bien, là, garez-vous bien. Ouais, les gars. Alors, nous, ouais. Ouais, on est d'accord. On va partir vite, en furie. Ouais, je sais, je sais. Out of stock. Out of stock. On se casse. Monsieur, attendez deux secondes. Ouais, compliqué, pas eu ça de part. Je suis pareil gros, j'ai pas les couilles de rester, courage à toi. Je reste là si t'as besoin d'extraction. Bon, du coup, Anto, on a le temps de parler là. Donc je t'explique vite fait ce qui s'est passé. Je t'explique vite fait ce qui s'est passé, là on est en train de chercher des pompes, on est dans les quartiers chauds là pour acheter des pompes. Moi j'ai réussi à en acheter un pour moi. On était parti chercher des Vagos pour en acheter un deuxième pour le petit Gab. Ce con qui est en train de spammer là. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il me pète les couilles. Et en gros, là on était bon, on était tranquille. Et là on était chez les Vagos et il y a plein de véhicules noirs hyper, je sais pas si tu les as vus, je pense que tu les as vus là, des véhicules noirs tout, avec vitres teintées noires. En gros ça c'est des organisations, c'est autrement que les gangs, c'est autre chose. Et souvent ils s'entendent pas avec les gangs. Les gangs, donc ça part toujours en tuerie avec des fusillades de malades. Lui Gabi il est resté parce qu'on lui a demandé de rester pour acheter son gun. Et tu sais c'est les quartiers chauds donc faut vraiment être diplomate. Moi j'avais déjà mon pompe donc je suis parti. Comme ça, s'il ouais, arrive gros, à se barrer, je peux le choper. Attends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En gros, je t'explique, il m'a dit squat à radio, je lui dis 36-30-30-30, comme ça il peut me recontacter. Je me suis pas fait choper en changeant de radio. Yes. Alors, on parle plus radio pour le moment alors. Ouais. Et on changera de radio, on changera de radio juste après. Ok, ok. Ouais. Bon, en tout cas, installe-toi en taux. Là, t'es bon, t'as le contexte, je t'ai tout donné. T'as besoin que je vienne te chercher ou pas? Je suis caché là. Non, c'est bon, c'est bon. Je roule un peu tranquille. Je les ai vus partir. Moi, dès que je suis rentré dans la voiture, quand j'ai voulu partir, ils étaient prêts à dégainer. Hein. Je les ai vus, ils étaient prêts dans les voitures. Viens, on va au Comico, viens, on va au Comico, ça pètera pas là-bas. Viens, on va au Comico. Ouais, on est d'accord. On va putain, t'étais à l'hôpital en tout? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Attends. What the fuck? Avec qui, wesh? Anto, c'était un gars sur le stream. Il m'a dit qu'il a pas pu venir hier parce qu'il était à l'hôpital. Attends. Quoi? Bah, gros, je sais pas. Non. Si, si, si. Oh, j'ai des petits. Des petits frises? D'espèces. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Fuego, come here, ma friend, come here. Fuego, come here. C'est bon. Fuego, come here. Ok, je te suis. Si vous l'entendez en double, c'est normal, c'est parce qu'il y a sa voix sur Discord, plus sur le jeu. La Discord, c'est temporaire. Dès qu'on aura fini avec l'achat, on retourne sur une radio in-game, puis on coupe le Discord pour éviter d'avoir sa voix en double. Ah, exactement. Et réciproquement aussi.
Je m'approche des quartiers tout doucement, gros. Tu m'appelles si t'as, si t'as besoin de, d'une excursion. Ou... Tu m'as compris, quoi. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Je suis en train d'aller tranquille, là. Ok, je suis en train de m'approcher. En tout cas, les autres gangs beaucoup moins méfiants que les Ballas. Les Ballas doivent être beaucoup plus harcelés par la police en vrai. La Reynards ? Vous les voyez ? Ouais, elle est bien, elle est stylée en vrai. Elle roule bien et tout, et puis même. Fais gaffe à pas te la faire voler. Bon véhicule. Alors, c'était qui du coup ? Ouais, je suis là. What the fuck ? Gros, t'es un héros, gros, Anto. Attends, je me... Gros, t'es un putain de héros, frère. What the fuck? Attends, je me suis battu avec un mec qui a essayé de mettre une main au cul. Voilà. Non, mais les sexistes comme ça, les mecs... Je suis en train d'attendre, hein. Les mecs sexistes comme ça... Les armes et tout. Ok. Bah, là, je suis en train de parler avec Anto. Pire, si tu veux entendre la conversation. Mais là, tu sais pourquoi il est à l'hôpital? Il s'est battu avec un mec qui essaie de mettre une main au cul à sa meuf. Ah. Ah ouais, gros. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est les sexistes c'est comme ce ça là. Faut, faire, mais... faut pas les laisser comme ça, les sexistes là qui mettent des manques aux meufs et tout. Oh, sa mère. Ouais, c'est chaud. Bah ouais, gros. Carrément. Ils sont en train de chercher les pompes, ils sont en train de galérer leur race, je crois. Ouais, mais t'as vu le nombre de véhicules qu'ils ont aussi, ils savent plus dans quel c'est. Je sais pas, j'ai écouté, putain, je cherche les anciens pompes, je sais plus où ils sont. Ouais, alors, ancien, qu'est-ce que j'écoute par ancien, je sais pas, mais... Le véhicule, ancien, c'est les pompes normales, en fait, c'est juste qu'il y a d'autres pompes, et ils les utilisent moins, ceux-là. C'est pour ça qu'ils les vendent, et qu'ils sont hyper contents de les vendre. Ah, le micro ouais, il a dû saturer. Yeah, je me mute pour parler avec le chat, tranquille, pendant moi qu'il achète. Non. Alors vraiment pas par contre, mais vas-y, si tu veux. Non, mais on me le dit souvent, mais ouais, non. C'est la dégaine qui... Ouais, c'est sûr, ils lui ont demandé s'il était flic. Frérot, il vient de me dire que vous êtes flic en fait, je lui dis. Alors gros, vraiment pas. C'est ce que je viens de dire à mon chat, je viens de lui dire ça. Exactement. Attends, gros. Comment, t'as dit quoi? C'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. J'étais mute et je l'ai dit. Ah merde, il a... Hop. Ah merde. Bizarrement, ah bon, écoute, ils ont pas de pompe. Bizarrement, ils ont pas de pompe. Vas-y, mais du coup, pour le pompe. T'en as pas? Ok. Bon, ok, bah c'est bon. Vas-y, pas de soucis. Au revoir, bonne soirée. Bon, il m'a dit qu'il en avait pas. Et quand il a, tu sais, quand il a dit comme hier. Et bah en fait, il s'est trompé. Il voulait dire une autre radio. Ouais, bonjour. Ouais. Ah, c'était pour un pompe, mais il m'a dit qu'il y en avait plus. Ah, recul à 5, bon, dommage. C'est pas grave. Vous me reconnaissez, c'est qui? Dis-moi. Mais non, je suis pas flic, bordel. Vraiment pas. Le pauvre. Ouais. Ouais. Non, ça va aller, c'est... Elle avait un t-shirt long, mais elle avait un short et le mec il croyait qu'elle avait rien en dessous. Des ouais, pommes, mais c'est trop combien bizarre, là, la pomme? Mais non. Gros, what the fuck, c'est bizarre. Ouais, ça va. Non, ça va. Je sais pas, tu dis pas ça, quoi. Tranquille. Ouais, ça marche. Ouais. Là, ils sont en train de lui dire qu'il est flic, qu'ils le croient pas, là, actuellement. Ok. Je suis en soutien pour l'extraire parce que des fois ça peut partir la en couille très très vite. Ouais, très, très non, vite. Je la garde. Ouais, je sais, elle est bien. Hein. La Reinhardt. Ah ouais? Ouais, non, je la garde celle-là. Non, j'ai déjà consommé tout ça en licence. Dommage, c'était plein quand on a commencé. Fois, hein. Bah écoute, je pense, en vrai, Anto, t'as bien fait de te défendre. T'as bien fait, c'est important. J'espère que t'as gagné au moins. Bon. T'es là, frérot? Là, je suis là. On change de...
pas papa la Formule 1. T'as vu la Formule 1 Il avait une Formule 1. Parle pas radio, parle pas radio. Viens, viens ici. Je suis pas radio, hein. Je suis pas radio. Hein. Le gars, il est sur notre radio là. Ouais, je sais, j'ai changé, je suis. On passe radio 8110. 8100 toujours, toujours. Ah là là. C'est mon idée, il game. 8110. Yes. 8110. Bon, du coup, j'ai pas d'arme. Ouais, du coup, t'as pas d'arme. Ah, yes, je t'entends. Ok, bien. Non, du coup, non, il a dit qu'il y en avait plus. C'est qu'ils avaient. Coupe ta radio D, coupe ta radio D. Ouais. Voilà. Du coup, je disais, le seul qui... qu'ils avaient, bah, il utilisait tout. Après, il m'a fait, mais attends. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, t'es pas flic. Je lui ai dit, alors vraiment pas. Et il me dit, sort, t'as vraiment la même dégaine qu'un autre flic et tout. Il me dit, je suis sûr, t'es flic. Je lui ai dit, mais non, bordel. Oui, on a eu du cul que le mec, il a bien voulu nous vendre le pompe, l'autre. Bon, on a un pompe. Et clairement, bien sûr que oui. Après, bon, ça se voyait, ils sont battus un peu les couilles. En vrai, il ouais. est beau, hein. En vrai, ouais. Je vais peut-être pas tirer ici, quand même. Non, non, non. Moi j'ai mis mon arme dans mon véhicule du coup, parce que du coup je me suis dit au cas où on sait jamais. Et yes. Puis genre c'est pas le gars, il me sort et du coup ton véhicule tu veux pas que. Il me dit il m'intéresse. Je lui fais alors non, vraiment pas. Oh là là, attends. Les conduites. Ouais. Regarde bien le petit message qui a été envoyé sur la ville là. C'est important. Bonsoir, merci de faire attention à votre conduite en ville. Les prochaines conduites. Non. Ok, seront lourdement sanctionnés. J'ai okay. deux doigts cassés avec l'arcade cassée, bah, avec écoute, l'arcade ouais. ouverte. Ça serait bon parler de nous. Mais le mec KO avec le nez cassé. Ça me ferait délirer. Mais c'est clair si on parlait de nous. Bon, bah voilà, il a fini à l'hôpital avec deux doigts cassés et l'arcade ouverte. Mais il a mis l'autre gars KO. À Skip, il m'a dit ça. Et en gros, sa meuf, elle avait un t-shirt long et un tout petit short en dessous. Et le mec, il a cru qu'il y avait rien en fait sous le t-shirt. Non. Si. Ouah, sa mère. Mais il a en quoi? Je sais pas. Il a quel âge? Anto, t'as quel âge? Frérot, parce qu'en vrai, c'est chaud. Quand il a mis KO, bien. Hein. S'il l'a mis KO, ouais, bien. Avec le nez pété. Ouais, je me suis jamais battu, mais en vrai, c'est vrai qu'il bon, y a eu plus d'infos, vraiment. Frérot, j'ai failli déjà me battre. De toute façon, tu l'as très bien vu, toi-même, quand on était. Oui. Ouais. Tu t'as très bien vu avec certains qu'on était pas en accord et qu'on a failli se battre. Bon, toi-même, tu sais, avec Rémi, etc. Enfin, voilà. Ouais, tu m'étonnes, mais des fois ça part en couille trop vite aussi. Ça part en couille trop vite. Bon, franchement, au collège, le nombre de fois j'ai failli me battre. Moi, sa mère. Mais le collège, tu pas, te bats tout le temps en fait. Moi? Non, mais pas à toi, mais genre en général, tu te bats tout le temps au collège. Bah ouais, et genre là, vas-y, là, tu sais, c'est tout, c'est plus tranquille, c'est posé, tu vois. 24. 24? Ouais, c'est pas le collège. Non, on est plus au collège, ouais. Là, 24. Non, ouais. 24, c'est pas le collège. Bah, ça devait être des bonnes patates, hein. Parce que 24 ouais, ans, frérot, 24... t'es déjà un peu. T'es costaud, quoi. Ouais, 24, ça a dû s'envoyer des grosses patates. Bon, faut qu'on trouve un autre gun. Ouais. J'aurais bien voulu voir, en vrai. Sa mère. Mais. À vous, toi aussi. En vrai, de vrai, ouais. Si t'as les vidéos de la baston, je t'autorise à l'envoyer. Mais si tu veux, après, si tu veux. Tu l'envoies sur le serveur. On la regardera en privé, t'inquiète. On diffusera pas les images. Contenu sensible. C'est bien, ouais, en plus on risque de se faire strike. Bon, faut qu'on trouve un gun, un pompe. Toi t'as déjà un gun. T'as déjà une puissance de feu, c'est déjà ça. On a tous les deux ouais, une puissance j'ai déjà de un feu. Gun. Bon, moi j'ai déjà ça, quoi. J'ai une puissance de feu illégale. T'sais, ils vont me dire, balance ton permis port d'armes. Oui, mon permis port d'armes. Bah. Ouais, t'inquiète. Attends, faut que je regarde. Je vais faire la même, mais moi c'est. C'est un peu plus crédible, quoi. Ouais, toi surtout ça passe. Je suis en train de regarder. Ouais, moi ça passe. S'il regarde pas mon casier judiciaire, c'est bon. Ouais, je suis en train de regarder là. Ouais. Et j'ai pas de bateau. J'ai plus de bateau. J'ai dû le revendre. T'as plus de bateau? Tu l'as revendu? Ouais, je l'ai revendu mon jet ski, je pense. Mais après, on y allait jamais à l'autre truc là-bas, donc. Ouais, voilà. Non, mais il faut se dire. Après, ouais, Caio Perico. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de trucs sur Caio Perico. Hein. Ouais, en vrai, c'est dommage. Je regarde juste vite fait où est-ce qu'on pourrait aller pour s'acheter des armes. En vrai, je sais pas. Ouais, moi non plus. Parce qu'on a fait tous les quartiers, Family, donc on peut peut-être réessayer les ballasses. T'as pas une deuxième tenue? J'ai ça. C'est un peu plus bas les couilles. Bah écoute, mets ça et va, retourne au quartier ballasses. Je me mets derrière parce que moi, s'ils me voient, je suis spotted. Mais toi.
Faut que j'enlève les lunettes, si. Ouais, enlève les lunettes et t'y retournes. T'essayes de prendre une voie plus grave et faut voilà. Que je change. Frérot, non, je vais changer de voiture aussi. Bah, prends pas la mine, elle est spotted aussi. Soir, vous retirez. J'allais chercher une moto, j'allais chercher une moto. Tu vas à pied au pire. Au pire, ouais, je... ouais, vous avez pas un pot. Au pire, garde ta voiture là, je te dépose, t'y vas à pied et je viens te chercher. Ouais, merde, ouah, désolé, j'étais dans ma tête. J'étais dans la tête, j'ai. Enfin, attends, ouais, t'as capté. Attends, je regarde si elle est bien fermée. Ma voiture. Attends, j'ai posé mon gars. Personne n'a filmé, tout le monde voulait séparer. Je suis dans les forces spéciales de l'armée, donc quand je tape. Donc, ouais, ouais, tu tapes fort, ouais, ouais, bah logique, logique, logique. Alors, tu parles clairement pas dans ta tête là. Hein. Ah, je parle clairement pas dans ma tête. Oui, bon, pardon, pardon. Ouais. Mais pardon. Du coup, ouais, 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 des forces spéciales de l'armée et tout. C'est vrai que ça doit faire mal. Pourquoi? J'ai. Eh, vas-y, on ira faire de la muscu, mon ref. Bon, toi, la muscu. Moi, la muscu, de quoi, moi, la muscu? Bon, toi, la muscu, bah, tu me fumes, c'est tout. Moi, bah oui, mais si, normal, je vais à la salle, donc logique. Salut à tous, c'est la salle. Putain. Ta gueule. Mais vas-y, mais de toute façon, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à la salle et tout, que j'ai rien branlé, que là, pff, laisse tomber. Enfin, j'ai pas perdu, hein. Enfin, si, j'ai quand même perdu un peu, mais. Mais là, en fait, faudrait que je me remette, mais sérieusement, mais un peu la flemme. Si tu veux tout savoir. Hein. Enfin, voilà. Pas toi, mais t'as capté. Je te dépose ici, après, et après, ils entendront mon moteur, t'y vas à pied, tu vas-y, coupes là-bas. Mais aussi, toi, ton V8 là, frérot, il fait trop de bruit. Hein. Bah oui, Maserati. Ouais, ouais, c'est ça, j'avais bien capté. On va voir s'il me reconnaît ou pas. J'espère pas en vrai. Après, au pire, je te déposerai au Familiz. Non. Vas-y, vas-y, au pire. Au pire, c'est pas grave, hein. J'attends avec un flingue si vraiment ils veulent pas. Tu m'appelles quand la vente est sur le point de se conclure, que je sorte du garage. Là, je vais partir me cacher. Je t'envoie un petit. Genre, je te fais un truc genre. Ouais, 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 le truc bien chiant. Ouais, mais là, y'a personne. Hein. J'attends au stop parce que pour éviter de me faire enculer. Va au Family, c'est pas trop loin. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh, j'ai pas un sprint à l'infini, moi. T'inquiète, t'inquiète. Là, je suis en train de me cacher, j'ai entendu des motos, je flippe un peu ma race. Oh, de base, ouais, bah c'est normal, gros. De base, si t'aimes pas taper, c'est complètement normal. Personne n'aime taper. Moi, j'aime pas taper de base, personne n'aime taper. Ça fait jamais plaisir de frapper quelqu'un, en fait. T'es pas en mode, ah cool, j'ai frappé quelqu'un, quoi. C'est vraiment quand t'as pas le choix, il faut défendre ton honneur, bon bah voilà quoi. Faut revenir à l'instinct le plus primitif de l'homme et hop, tu frappes quoi. Par contre, faut éviter de perdre, tu sais, quand tu te lances dans un combat, faut mieux t'assurer que tu gagnes. Mais dans ton cas, je crois que t'avais compris cette partie-là du truc. Peut-être commencer à me rapprocher de son parking parce que du coup là il va aux Families et c'est pas la même les Families. Je suis à peu près caché là, je suis à peu près caché. Je me mets bien dans l'ombre, comme ça, il y a peu de chances que quelqu'un me voit, même si ma voiture est blanche. Ouais, frérot, il n'y a rien de spécial. Hein. Rien non plus? Ouais. Je viens de chercher. Je serai entre les Balas et Families, tu sais, vers la station essence. Hein. Enfin, je suis à la station essence. J'ai croisé des Lost, ils m'ont dit ouais et tout, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je lui ai dit, je leur ai dit, enfin, ils m'ont demandé si j'ai. Bah, attends, ils m'ont demandé si j'avais pas vu les Balas, je leur ai dit que non, du coup. Ils m'ont dit ouais et tout, tu veux qu'on te dépose. Je lui ai dit non, ouais et tout. Mais. J'aurais peut-être pu leur demander aux Lost. T'as trouvé un scooter, mais gros, vas-y en scooter, va au Vagos en scooter avec ta tenue là, ils vont pas te reconnaître. Hein. Parce que si t'arrives à pied. Non, non, parce que justement, avant qu'il me dise je suis flic, il m'a dit, genre il est arrivé et tout, il m'a dit non, bon, vraiment, on n'a pas. Parce qu'après, genre, ils ont bien compris que je pense que j'étais pas flic. Bah alors là, ça va être chaud, 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 quoi.
Frérot, ça, c'est bizarre qu'il y a personne qui est de. Faut voir que c'est un peu la rupture de stock. Alors, parce qu'après, il y a une meuf, il y a une meuf qui est arrivée et tout, qui elle n'était pas là depuis le début. Donc elle est arrivée, elle est directement venue vers moi. Elle m'a dit ouais. Elle m'a dit t'es là pour quoi? Je lui dis bah pour acheter un pompe. Elle m'a dit ah. Elle a dit là on a plus rien. Et elle était pas venue voir les autres avant. Genre elle est directement venue vers moi quand elle m'a vu. Ah ouais. Après peut-être qu'ils se sont fait passer le mot, je sais pas, mais. Yes, du coup j'ai les prix. Là, j'ai un site web donc c'est un peu plus cher. Moi ouais. Mon pompe sur le site web il est à 130 000, celui que j'ai eu à 99 000 là. Ok. Et le pompe de base il est à 110 000. Par contre, t'as des Uzi, si tu veux des Uzi, il y a 120 000 des Uzi, t'as des mitraillettes, des fusils d'assaut. En gros, là, tu veux une AK-47, fusil d'assaut, c'est combien? 165 000. Oh, mais clairement, je vais en prendre une AK-47 à 165 000. Il y a quoi d'autre comme... Mais il faut la commander, quoi, c'est compliqué, il faut les commander. En radio D. Où est-ce que t'es? Je te trouve plus, le petit Gab. Quelque part. Tu peux aussi, faut ramène-moi Marie Reinhardt, s'il te plaît. J'envoie dans un truc où il y a Loulou aussi avec. Ça marche. Ah, mais. Ok, je vois, c'est quoi. Je te trouvais pas, toi. Bon, je te ramène à ta voiture. Mais je le connais en fait. Attends, à part si je suis parti, mais normalement, non. Je te l'avais sûrement déjà envoyé. Merde. J'étais en train de lire le message. T'as un choqueur et une matraque télescopique dans mon sac ou dans ma sacoche. Wesh, mais gros, t'es un what the fuck. Gros, faut pas avoir ça sur soi. Gros, le mec, tu l'emmerdes, il sort une matraque télescopique de son sac, il te défonce ta gueule. Bon, ouais, on arrive. Bah écoute, ouais, faut les commander, dans tous les cas, c'est pas fou, quoi. Bah ça, là, on l'aura pas ce soir, quoi. Tu sais qu'il vient de me balancer qu'il a une matraque télescopique dans son sac. Qui? Manteau. Ah ouais? Putain, attends, wesh. Au cas où. Au cas où. Bah, en vrai, de vrai. Bah, attends, tu dis ça, mais frérot, moi, quand je suis à Clermont, j'ai toujours un couteau sur moi. Ça vaut une matraque télescopique. Je sais pas, mais moi. Est-ce que ça s'achète? En vrai, je comprends Anto. Hein. Moi, j'ai toujours un couteau sur moi, hein, et puis c'est pas un petit. Hein. Moi, je tue personne avec. Hein. Donc, il est toujours dans ma poche, toujours prêt à être sorti. Hein. Tu m'étonnes. Ça vaut 200 balles. Après, frérot, nous, notre lycée. Ouais, t'inquiète. Entre 100 et 200 balles. Voilà. Ah, bah ça va. Tu peux mettre des bons gros trucs là. Non, mais il y en a des légales, je crois, en dessous d'une certaine taille ou d'un truc comme ça. Mais t'inquiète, je te fais confiance. Ah, de quoi les couteaux? Non, non, mais il dit qu'il a les autorisations pour la matraque. Après, il est dans les forces spéciales de l'armée aussi, donc c'est normal qu'il les a. Ouais, mais après, genre, tu vois, par exemple, moi j'ai un couteau, mais je sais pas si vraiment. Parce que en gros genre j'en ai un. Elle est alors ça dépend de la main que t'as, tu vois. Genre moi on dit ouais ça dépasse la paume de la main, c'est considéré comme une arme blanche, mais moi ça dépend en fait de la taille de la main. Si tu prends la mienne ça passe, si tu prends une autre main ça passe pas quoi. Et encore la mienne c'est très limite, c'est si tu veux quoi. Genre tu sais tu prends une petite marge de 4-5 cm et tu fais non mais c'est bon. Ouais, c'est... une marge de 18 cm ça passe. Voilà exactement. Non mais moi je sais très bien que je devrais pas hein, mais viens gros si t'as des couilles. On passe devant le Comico et on lâche un gros coup de feu et on se casse. Coup de feu genre avec ton gun, parce que moi je peux pas tirer un coup de feu avec mon fusil à pompe. Faut que je descende et que je remonte, c'est trop long. Bah dans tous les cas frérot, cette voiture. Oh vas-y tu sais quoi. En gros, je te suis hein, je fais ça derrière toi. Oh il a sorti la tenue. Tu peux même oh tu connais, tu reconnais cette tenue. Tu reconnais très bien cette tenue à l'époque des braquages. Faut que je m'achète un masque, viens on passe à un magasin de vêtements. Vas-y pas de soucis, moi j'ai Ma chevelure est reconnaissable, mais c'est pas grave. Si j'ai un masque, normalement, une RP, t'as pas. T'as rien entendu. Ouais, on se rejoint où? Magasin de vêtements, là, il y en a un, là. Juste vers la direction où je suis parti, pas loin du bar à pute. Pas loin du quoi? Du unicorn.
Je suis con, j'ai pas la thune. T'as pu à l'infini sur ta radio. J'ai pas la thune. C'est bon? Y'a pas un truc pour récupérer sa thune? Tu veux pas me filer juste a... Tu veux pas la me filer juste 500 balles? T'as dit quoi? File 500 balles, je te les rends tout à l'heure. T'inquiète, je suis 500 balles près, de toute façon je suis très peu en ville. Moi non plus. Comme merde. Ça t'es... Des saloperies. Non, j'ai... Non. C'est malentendu. Eh oh, on fera pas comme ça, moi. Y'a un malentendu, monsieur. Y'a un malentendu. Ouais. Tu veux que je te mette une balle tête? Pas trop n'importe chaud. Quoi, toi. T'es vraiment une pute, hein. Bonjour. Y'a des balles qui tournent. Bon, ton véhicule est niqué, j'hésite à aller le réparer. Bah viens, on y va tous les deux juste après. Ah, il m'entend pas. Oh, au pire, on y va juste après les réparer, les véhicules. Ouais, après... Du coup, Anto, il a dit ou pas si c'était légal que j'en ai un ou pas? Ouais, faut, on va éviter de trop en parler, je pense, pas trop. Ouais, je sais pas. Après, moi, je le cache pas, hein. Enfin, franchement, même au lycée. C'est déjà arrivé qu'il tombe de ma poche. Excusez-moi, après, monsieur. Je suis... Désolé. Je sais que je suis même pas en sens en avoir un, mais... Après, on est, un lycée où il y a MS, mais c'est de la sécurité. Oh, c'est bon, le bandeau voilà, de Ziak. Quoi? T'en as un? Attends, regarde, je vais le mettre. Ça, c'est de vrai couteau. Ah oui, mais... T'es que... Ton couteau, je vais te foutre dans ton cul. Oh, salut Team! Salut Team! Comment ça va? Installe-toi. Là, on est en roleplay. On est en train de chercher des guns. On veut s'acheter des armes et tout. Putain, mais connard! On va au mécano, je te suis. Donc on... Y'a pas, c'est pas comme ça, ouais, j'ai des bugs de... Des problèmes de lunettes, du coup je t'aurais foncé dedans. Ouais, t'inquiète. Je l'ai vraiment foncé dedans, mais bon. Et du coup là on va aller au mécano, on va aller se réparer nos petites voitures. Je te rappelle d'ici, y'a du monde et tout, putain c'est fou. Ouais, t'as à l'époque quoi. Et là on y va... Je me rappelle, toujours ça, on faisait nos allers-retours avec le camion et tout. Ouais. Donc là, on va aller réparer nos véhicules. J'ai réussi à acheter un pompe. On est en train d'essayer d'acheter un pompe à Gabi, mais c'est pas facile parce que les quartiers nous font pas confiance à cause de notre tenue. Ils nous prennent pour des flics. Donc c'est pas ouf. Et voilà, donc installe-toi tranquillou. Je t'ai mis un peu le contexte. Et là, on va se faire réparer nos véhicules. Sérieux? Alors, attention. Sur mes lunettes, il y a vraiment, j'ai rien touché. Mais bon. Ah. Sur les miennes non plus. Mais sinon, oui, c'est une réparation, s'il vous plaît. Très bien. C'est pas grave, je connais pas la réglementation. Ouais, bah toi, ouais. Ouais, réparation, ça vaut combien les réparations de nos jours? Désolé pour le camion que j'ai pas touché, mais. Une réparation, ça vaut combien? Ah, inquiétez pas, un camion, ça se remplace. Comment ça? La vie d'un homme. Bah, c'est pas gratuit la réparation. Ah, merde, j'entends. C'est beau ce que vous dites, c'est beau ce que vous dites. J'entends des gens bizarres. T'es un passionné, hein. Comment ça, vous entendez des gens bizarres? Non, bah non, mais enfin, je sais pas, j'entends une voix dans ma tête. C'est combien? Laissez-moi descendre. Ouah. Ouais, je sais, c'est bizarre. Et bien, vous aurez des. Ah, ouais. Je remercie monsieur, vous êtes c'est, bon. C'est surprenant. Putain, mais j'ai encore mon masque de Ziak. Vous êtes de bons travailleurs. Ça, c'est vrai couteau. Je viens de sortir on du fait clip, comme c'est on pour peut. Ça. Eh bien, oui. Donc, du coup, c'est combien la réparation? Ça va pas de beaucoup ou pas, mes cadeaux, en vrai. Bon, je vais chercher 1000. Ça va, okay. Faut surtout être beaucoup. Les gars, installez-vous. On va aller le payer, le gars. Je vais faire le bâtard, je vais lui donner 1400. Je vais voir s'il me dit quelque chose. Oh. Il y a 2-3 motards, mais bon, pas souvent. Ouais. Bon. 1400, c'est ça, vous avez dit? De quoi? C'était 1500. Ah, pardon. Pour moi. Attends, j'ai rien compris à cause de tout ce qui parle en même temps. Voilà. 1500, pas 1450. Ah, pardon. Ah, vous inquiétez pas, vous ne dérangez pas. C'est un peu abusé là. Ah, vous n'êtes pas étonné. Allez, bonne journée.
Bonne journée. Ça fait au moins 3 fois que je vous vois passer. Ça va? Non, mais je viens travailler là. Ça va? Ah, oui. D'accord. Tu connais pas? Non. De la radio D. Oh, le pauvre, je lui ai fait péter un câble, t'imagines même pas. Pourquoi? Dis-moi. Je lui ai donné 1400, puis après je lui ai donné 1450, puis après je lui ai donné 500, et après je lui ai donné le vrai prix. Mais du coup, au final, tu lui as donné plus que ce que... Non, non, mais je lui ai pas donné, genre je lui mettais, il me disait non, c'est pas ça, et du coup je remettais une autre valeur. En fait, on va où, là? Un endroit tranquille pour essayer mon pompe. Voilà, tout fait. Laisse tes pauvres gens faire leur vie. Les gars, team, s'il te plaît, clip, là clip ça. Gros, t'es tombé. Quoi? What the fuck? Alors, il est non, pas tombé. Je suis pas tombé. Gros, c'était incroyable. Je t'ai vu tomber dans le vide, c'était trop trop beau. J'ai même demandé à team de clip alors qu'il y avait rien du coup. Merde, fais chier. Bah, ouais, moi j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, viens, au pire, on se pose là. On est un peu en hauteur, mais. Alors là, ça va être incroyable. Elle twerk ma caisse. Comment ça elle twerk? Attends, je vais résoudre le problème. Non. Oh, ça va être incroyable. Les gars, là, je sais pas si vous êtes prêts. Tout le monde est prêt? Je parle à qui les gars? Comment ça les gars? Moi? Les gars, mais on est en live là, y'a la webcam d'activer et tout. T'as pas vu sur mon front? J'ai la webcam. Putain sa mère, vas-y. Wouah, la cadence est pas mal en vrai. Aïe. Moi je crois qu'il est dans ma voiture, mon flingueton. Vas-y. Les gars, est-ce que je lui mets un énorme coup de batte de baseball quand il revient ou pas? Il va m'en vouloir hein, si je lui fais ça. Hein. Il va m'en vouloir. Hein. Bon, ah alors moi c'est pas la même. Ouah, sale pu. Gros, ça va? Merci Team, tu gères. Gros, ça va? Oh, je crois que j'ai explosé la gueule. Ah non, le pauvre. Ça va, gros? Ça va? Je suis sur Discord. Oh, je l'ai explosé la gueule. Je sais, je suis... Ah, mais... Est-ce que t'es mort? Viens me chercher, là. T'es mort? Viens me chercher, bordel. Est-ce que t'es mort ou pas? Non, tu vas me tirer dessus, je te connais. Non, frérot, viens me chercher, s'il te plaît. Mec, si je t'ai pas répondu, c'est que je suis mort. Mais je peux pas venir te chercher si je suis mort, y'a rien à venir chercher. Faut appeler les médics. Putain, ta mère. T'es où que je te rappelle quand je serai en vie? Putain, mais mon arme, sa mère, elle m'a tué. Quoi? Mais non, mais mon arme, je vais la perdre. Non. Bah si, je crois que tu la perds. Mais non. Non. Bon, team, on a notre réponse, il est mort. Putain, t'es vraiment une salope. T'es vraiment une putain. J'étais vas-y, là. Je t'attends sur les lieux. Je t'attends. Je suis obligé de t'attendre, du coup, oui, je peux que t'attendre. Mais bon, j'y crois pas, j'ose pas revenir. Moi, je vais me faire buter si je reviens. Je te connais, toi, tu vas vouloir me buter pour la vengeance. Putain, je vais faire une salope. Putain, je casse les couilles. C'est pas grave, on va aller acheter un pompe. On va t'en trouver un de pompe, gros. On se rejoint où quand je serai en vie?
Bah tu dis... ma caisse aussi, frère, là, tu peux... Je te déposerai ta caisse. Mais il est pas mort. J'en étais certain. Allez, va te faire enculer. Oh salope. J'en étais sûr que t'étais pas mort. Si j'étais vraiment mort, par contre... Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît, je me fais tirer dessus. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est pas grave. Frérot, je t'ai canardé. Hein. Ah gros, oui, j'ai vu ça. Hein. Oui, gros, tu m'as canardé, mais comme un enculé. Hein. Là, il y a mes deux pneus, ils sont crevés et tout. Je vais revenir au mécano. Je vais dire, ouais, les gars, il y a moyen d'une autre réparation, s'il vous plaît. Pourquoi il y a des impacts de balles et des pneus crevés? Tu veux le fouiller puis il prend de l'arme? Non, j'aurais bien aimé, Anto, là, j'aurais bien aimé lui prendre l'arme, mais bon. Ça, le prix... Vous voudrez pas votre véhicule. Je me suis fait un peu attaquer, donc s'il vous plaît, réparer ça dans deux speed. Je vais chercher l'argent. C'est lui, là, ce connard, il m'a tiré dessus, putain, il me vengeait. Il fait une masterclass, ouais, bah là il m'a mis une retournée, je me suis fait baiser comme un débutant. Tenez, monsieur. Hop. Voilà. Merci. Vous pourrez nourrir votre famille comme ça. Mais c'est pauvre. Gars, je me tire, moi. Moi, c'est mort, hein. Je me casse. Je te fais plus confiance maintenant. Bah, t'as bien raison. Ah, sale bâtard. Ça va, je t'ai même pas buté, toi tu veux me buter alors que moi je t'ai même pas buté. De base je voulais juste t'assommer, j'ai vraiment cru que t'étais mort, j'ai eu peur, je me suis dit merde la blague elle part trop loin. Mais à vous c'était drôle le coup de batte quand même. Ah ça ose rien faire hein. Ça n'ose rien faire devant un commissariat. Hein. T'es sûr? Oh merde. T'es sûr? Vas-y. En vrai, là, je suis à l'intérieur du comico. Si t'oses venir me tirer dessus, t'as des couilles de fou, frère. T'es à l'intérieur? Ouais, ouais, je suis à l'intérieur, là. Le gars, il gagne un SMIC en une réparation. Ouais, de fou. S'il t'aurait mis une tête... Ouais, mais non, mais il est trop mauvais pour me mettre une tête. Oh la pute, il veut me chauffer. Ah, fais gaffe, gros, il va y avoir des témoins. J'ai de poucave aux flics, hein. Je suis une vraie pute. S'il vous plaît, bonjour, bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour. Il va dire, s'il vous plaît, il y a une voiture rouge, un break familial rouge qui me suivait, qui me tirait dessus en ville, là, tout à l'heure. J'avais un peu peur, du coup, je suis venu me réfugier ici. Oh, putain. Je peux rester un peu? Ah oui, vous pouvez rester, monsieur. Un véhicule rouge, vous dites? Ouais, et un break familial rouge, un peu. Une Reinhardt? Ouais, je crois. Ah, ok. Je vais signaler ça à mes agents. Ils sont armés, les individus? Bah, ils m'ont tiré dessus, donc oui, je suppose. Ah, bah ouais. D'accord, attendez. Est-ce que vous avez la plaque? Non, vraiment, là, je suis désolé, j'ai essayé de fuir et de venir ici le plus vite possible, j'ai pas le temps de regarder. Ok, bah, je signale ça à mes agents, vous pouvez rester en attente. Ouais, je vais attendre juste 10 minutes le temps qu'il m'oublie un petit peu. Okay. Ah, monsieur? Ah oui, monsieur. J'ai une petite question, monsieur. T'en as parlé à des gens, c'est sûr, t'en as parlé. Je l'ai balancé au flic. Oh, ta Reinhardt, elle est recherchée pour tout le monde, ça y est. Ma Reinhardt rouge. Bah. Je rigole. Sale. Ça va bien, le chien de la casse. Il aime beaucoup celui-là. Non, mais c'est pas ça, Max, sois gentil. Alors que c'est à la base, c'est moi qui t'ai mis un coup de batte. C'est moi qui devrais porter plainte. Et je vais dire, ouais, on m'a donné un coup de batte dans le dos. De quoi? Ah, mais putain, il y avait Zazo avec toi. Oui, clairement, Antouille. Clairement. Ah bah, il va se faire défoncer. Savoir, en fait,
Pour recruter dans la police, ça se passe comment? Il faut envoyer votre candidature sur notre site, monsieur. Ok, ok, très bien. Et comment vous êtes tu vas beaucoup te faire en péter ce moment ou pas? Tu vas te faire péter par les filles. Oh, il y a un écran slip devant le comico. Oh putain, mais hé. Oh, incroyable, l'exhibitionnisme ici. Mais monsieur, c'est pas une plage nudiste ici. Mais on n'est pas au Cambodge ici, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Eh, hey, me collez pas. On est pas au Cambodge. Espèce de fou. Attends, je crois que le flic il arrive, il va le défoncer. Moi, si vous voulez, vous oui, c'est possible. Coller, aidez-nous, monsieur, il me colle, il me colle. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, je vais vous aider. Ça va, Gabi, tu t'en sors? Oui, 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 je vous entends, monsieur. Qu'est-ce que ça va, je m'en sors, je m'en sors. M'a volé mes habits. Comment ça, vous avez volé mes habits? Oui, il m'a volé mes habits. C'est très humiliant, monsieur. Oui, je sais. Et je n'ai pas beaucoup d'argent pour m'en racheter. Donc, vous voulez que je vous passe mon slip? Je veux bien. Ah. Et celui-ci est sale, ça fait 2 semaines que je l'ai. Ok, mais il y a pas de soucis. Je vais vous passer bon, un ça slip, va, attendez. 2 semaines, en vérité, ça va. Eh, vous avez le même caleçon. Qui m'a... Ah putain, nous tous le même caleçon, c'est incroyable. Mais par contre, pourquoi tout le monde se fout à poil, là? Bah, c'était parce que je voulais passer mon pantalon pour qu'il ait moins l'air d'un con. Ouais, bon, mais maintenant, c'est toi qui a l'air d'un con. Une orgie, là. Moi aussi, j'ai le même caleçon. Ah, mais tout le monde a le même caleçon. Tout le monde a le même. Oh, mais Zobi, j'ai le même caleçon. Merci bien, mon cher. Ça va, Hans? Ah, bonjour, monsieur le motard, comment allez-vous? On ne se connaît pas du tout. Ça va, Hans? Tout va bien, toi? Bah, tout va nickel. Ouais, j'imagine que tout va nickel, t'as bien de la chance. Big up, hein. Big up. Oh. Ok, nickel. Ouais, tout va bien. Ouais, tout va bien. T'as la chance que dans une zone protégée, toi. Non, y a pas le SWAT, y a pas le SWAT. La police, en plus, elle fait rien. Je suis sûr qu'il a rien dit le policier. Je suis sûr qu'il a rien dit à ses unités. Oh là là. Voilà. Yo, la fibre a coupé de... du coup. Ah merde. Putain, en plus j'ai vu ton message, ça se trouve il était vraiment tard. Y a poussé où? J'ai reculé. Désolé. Non, rien, vraiment, je suis en PLS là. Putain, désolé Necro, pas fait exprès, j'avais pas vu ton message, j'étais concentré dans ce que je faisais. Concentré dans me traquer, ouais. Non, y a pas le SWAT, gros, imagine y avait le SWAT dans le serve là. Il vient de balancer, s'il y avait le SWAT dans le serve, tu te serais fait niquer, bah clairement en vrai. Bonjour, bonjour monsieur. Il parle au flic. Comment allez-vous? Bonne journée aujourd'hui. Nickel. Ah, madame d'ailleurs. Putain, désolé. Oui, madame. Eh, hey, mademoiselle, t'es charmante, ça dirait une glace à la main. Ah là là. On va à l'hôpital du coup ou pas, gros? Ouais. Allez, dites-moi. Ah bon? Ah merde, j'étais pas au courant. Ah, vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je peux aller la peau de déposer chez moi par un véhicule, si vous voulez. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Pas de soucis, je vais faire ça. Qu'est-ce qui se passe, gros? Mon véhicule est pas mauvais, y'a pas de plaque, y'a rien. Ah merde. Voilà. Attends, on passe à la maison. On retourne à la maison. Non, mais mon cul, je vais le changer. Mon cul, on se rejoint à la. Bah, on se rejoint à l'hôpital alors si tu veux pas le changer. Merde, du coup, je sais pas où est-ce qu'il est à l'hôpital. Je suis en train de faire des donuts au milieu de la route. Putain, comment je cherche la merde de fou. Comment je cherche la merde de fou. Je passe devant la mairie, je klaxonne. Voilà. La meuf, elle respecte bien les feux rouges, hein. Voilà, j'ai tracé mon ref. Mais elle t'a pas engueulé? Genre, elle t'a pas poursuivi et tout? Parce que tu grilles les feux. Tu es dalle. De toute façon, en moto, qu'est-ce que tu veux, frérot? Je suis dans des petits chemins, elle peut pas y aller, je suis beaucoup plus agile. C'est vrai. Elle est avec son gros véhicule qui avance pas. Des véhicules de la police qui ont été refaits à ce que je vois. Ouais, j'ai vu aussi. Ouh. Je vais regarder vite fait ce que j'ai au garage. Les infirmiers. Ce que j'ai. J'ai une mule. Ouais, j'ai vraiment des véhicules de merde, gars. Ouais, wesh. Attends, ouais, monsieur, faites attention là. Le véhicule. Eh hey, monsieur, oui. Vous avez pas vu qu'il y avait un véhicule juste derrière? Mille packers rebelles et non, pour moi y'a rien là. Hein. Smith... Ah, ouais. Eh, y'a vraiment ma voiture quoi derrière là. Vous forcez. Quoi? Derrière moi là? Ouais, juste derrière vous là. Pour moi elle est ici là. Non, jure.
devant moi là. Non, vous racontez n'importe quoi, monsieur. Attends, je dis. Je vais monter dedans, je vais vous montrer qu'elle est là. Déverrouillez-la. Mesdames, messieurs, y a-t-il quelqu'un ici? Y a personne, hein. Bon, du coup, sinon, Nécro, t'as fait quoi là pendant que t'étais pas. Pendant que la fibre a coupé un peu. Vous voyez bien qu'elle est là, ma voiture. Ah non, mais monsieur, je vous jure, là, pour le coup. Pas envie de l'acheter les médics. Non, elle était vraiment devant. Hein. Ah, pas j'ai faire, plein, du pas coup, j'ai confirmé ce que je disais quand je disais. Bon, c'est pas grave, bonne journée à vous, c'est pas grave. Bonne journée. Hein, Arthur? Quoi? Tu sais, tu m'as dit ouais et tout, avant t'avais plus de véhicules. J'adore localiser, mais ils sont encore à l'entreprise. Ah, mais oui, bah viens, on va à l'entreprise. Putain, c'est vrai qu'il doit encore rien avoir là-bas des véhicules à moi. C'est notre endroit là-bas, dans l'entreprise. C'est vrai que toi, tu les avais tous délocalisés à l'entreprise, bah viens, on y va du coup, on va à l'entreprise. Pas tous, mais une partie quoi. Les gars, l'entreprise, si vous savez pas ce que c'est qu'en fait, pendant qu'on jouait au RP, on avait fondé une entreprise de films. Gabin, d'ailleurs, n'a jamais réussi à être présent à un seul tournage. Si, oui, à cause de mes darons, est-ce que j'adore un seul. Mais... T'as réussi à venir à un seul, et même, t'as même pas réussi à rester jusqu'au bout. Mais à chaque fois qu'on faisait des tournages, ma mère, elle me disait, ouais, on fait ça aujourd'hui. Moi, j'étais en train de casser ma tête. Gros, il y a la voiture du mec qui nous a vendu un pompe qui tourne. Ah oui, effectivement, oui. C'est pour nous. J'aime pas les petits véhicules que j'avais là. J'ai la Leo Smith et ouais, puis. Les véhicules de merde. Oh, ça roulait. Hein. Oh, tu dis que elle c'était de la merde la roue, mais je te jure qu'elle bombardait. Hein. Bah écoute, on va voir ça. Attends, faut voir si j'ai pas les trucs, parce que attends, j'ai des trucs dedans. Allez, bref. Ouais, normalement, j'ai rien dans mes véhicules, je crois que j'ai rien du tout. Allez, let's go. Tu te souviens Ah ouais, j'ai un short pantalon. Est-ce que tu te souviens quand on avait au tout début quand on voulait faire un truc de concert et qu'on avait demandé à avoir le bout de la passerelle ici pour faire nos concerts? Alors frérot, la tenue que j'ai dans mon Yosmith, viens voir. Ah là je suis vraiment pas au même endroit, mais attends j'arrive. Frérot, ça j'avais oublié la tenue que j'avais dans mon Yosmith. Alors vraiment j'étais prêt à niquer des mères hein. Et c'est une tenue blindée? Comment dire, j'ai un gilet pare-balles et tout. Ah mais c'était une tenue de tournage gros. Ah oui c'est vrai. En fait j'étais en train de me dire, en fait je voulais juste en découdre moi. T'es mort? T'es à l'ombre là, j'arrive pas à voir. Reviens. Reviens. Ah oui en effet. C'est un pantalon, il est dégueulasse. Ouais, le pantalon il est bien moulant là. J'aime ça. Montre-en plus. Je sais pas, mais. Montre-en plus, je te dis. Montre-en plus. Oh. T'as. T'es un déglingo toi ou quoi? Ouais. Je sais, je suis un déglingo. Et là, oui. Ça part dans la moto. Non. Oh là là. Je vais prendre la petite chèque, comment elle s'appelle. Tu prends la rouge? Ok. Ah là là. On va faire quoi là? On essaie d'y retourner pour aller chercher un pompe? J'avais oublié. On dirait quasiment un moteur à rotor le truc. En vrai, je pense qu'elle a une bonne accélération quand même. Oh putain, elle est propulsion. Elle drift. Moi, c'est la seule propulsion que je connais dans le jeu qui accélère. La mine elle accélère moins, mais. Je suis en train de klaxonner à chaque saut que je fais, c'est trop drôle. Là, je suis à 200 sur du plat. T'inquiète, je suis à 190. On connaît. Ouais. Oh, j'en vois un peu les poules du pompe, j'ai 94 000 sur moi, nique sa mère. Tu veux pas acheter un pompe? On fait ouais, quoi du coup sa mère, t'es... On fait quoi? Rien. Suis-moi. Viens, on va braquer des gens. Genre, tu sais, les mecs sur la route du métal. Viens, on va les braquer. Tu veux braquer du métal? Ouais. Même si on n'en fait rien après, on s'en fout, juste on les braque pour rigoler.
Vas-y, attends, mais du coup, je vais retourner à l'entreprise, je vais changer, je pense, je vais prendre la boîte. Ah non, gros, faut prendre des voitures, je te signale qu'ils sont en camion, hein. Si t'as une moto, ils vont vouloir t'écraser, gros. T'as craqué. Sa mère. Ça va bien ? Ouais, ça va, ça va. Ah, je crois qu'il s'est crash. Non, vraiment ? Ah, putain. Ouais, mais vas-y, moi j'écoute. Non, mais je sais bien, je sais bien. Vas-y, explique-moi. Ouais. Pas de soucis. Ouais. Ouais. Putain, ça me pète les couilles, j'ai pas de thunes, ah oui, je peux même pas faire le plein. Mais pourquoi vous étiez là-haut ? Un mec qui s'est suicidé ? Ça va, c'est pas trop long quoi. Ah bah oui, bah j'imagine bien 45 minutes. Oula. Je peux l'utiliser à cette distance, c'est vraiment du cheat. Et bah putain, vous avez une vie passionnante. Et ouais, incroyable. Ah mais je sais pas comment vous avez fait. Enfin, pourquoi vous avez la prochaine fois qu'on fait réparer une voiture, je lui donne 15 000 au lieu de 1500 et je regarde s'il est honnête ou pas. Escapade. Ouais, je vois. Bah écoutez, ce soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai roulé dans la ville, j'ai parlé avec des potes. Bizarre position. Surtout comment je suis placé. Ouais, non, mais t'inquiète. Et puis sinon, bah j'ai pas fait grand-chose. Ouais, j'ai roulé. Du coup, on est passé chez moi vite fait. Non, pas pour l'instant. Non, vous demandez? Ah oui, d'accord. Madame veut l'argent. Après, vous avez bien raison, hein. Ouais, je vois ça. Combien le yacht? Comment ça, il fait un accident, il rencontre une meuf qui a un yacht? C'est quoi la proba? C'est quoi la proba? Ah là là, attends, mais... après j'ai même pas vu c'est quoi le yacht, à quoi il ressemble. Les gars, dans le chat on en parle de la proba qu'il a. Bah en vrai je l'achèterais pas, mais bon. C'est 10 millions le yacht, 9. Donc d'occasion c'est plus cher, ça peut être jusqu'à 30 millions. Ah non, je vais pas le prendre. Ah, ok, d'accord. Bon, bah dans ces cas je vais pas l'acheter. Oui. Oh bon? Oh! Oh! Ah putain, t'as combien? Ouais. Bah ouais, bah t'es pauvre, voilà. Okay, on est tous pauvres ici. Le mec, il est plus riche qu'une meuf avec un yacht. J'ai rien compris. J'hésite à prendre une moto. Ah, c'est ta mère. Ah là là. Bon, t'es où? Moi, je suis là. Oula. Je suis à la maison. Je sais pas quoi faire, j'hésite. À la maison, attends, parce que du coup je suis tombé sur des gens, j'en ai parlé, c'était bien marrant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, mais le yacht il est ultra cher, c'est abusé. Gros, et encore, mais toutes les maisons sont hyper chères. Genre, tu vois, cette merde là, c'est 250 000 neuf. C'est-à-dire que là, si je le revends, je peux le revendre jusqu'à 750 000. D'occasion, les maisons sont plus chères que neuf, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est un investissement un peu. Tu voulais aller braquer les gens à la base. Ouais, mais au final, un peu la flemme. Trop con la vie. Mais moi, je voulais contrôle, mais y'a rien à troller. Viens, on va dans les concesses voir ce qu'ils vendent. Au pire, voir si on a un coup de cœur. Ah, c'est toi ça. Allez, second, on y va. Ouais. Elles ont toutes le même klaxon, mes voitures. J'adore ce klaxon. Ceux qui ont la rêve du klaxon, ouais, ça, ouais. Est-ce que tu l'as le rêve de ce klaxon? De quoi? C'est un film. Il vient d'un film, ce klaxon. Peut-être. Ah, t'as pas la ref. Putain, j'ai pilé, mais...
Le gars, il y a pas, il accélère, c'était bon. Yes, Rouanto, comment ça va? On va aller dans les concesses, là, on va aller voir un peu ce qu'il y a à acheter. Le drift a raté, c'est pareil. Dommage qu'il a pas les phares jaunes. Ça lui donne plus un charme. Tu peux le. Je crois, non? Tu peux pas? Je sais pas, je sais pas. T'es allé dans quelle concesse? Le banner. Celui qui est là. Là. T'es là-haut? Non, je suis rentré par en haut, mais au final, je suis en bas. Oh, bah, t'as la General Lee. Tu vois le véhicule là, d'où la ref elle vient avec le klaxon? Ça, ça vient du film Sheriff attrape-moi ou un truc comme ça. Et le klaxon il vient de la voiture, la General Lee. Et c'est celle-là, là, c'est celle que vous voyez là, là, avec le drapeau au-dessus. Faut que je regarde combien elle coûte. J'ai envie de l'acheter. Ça va? Tu penses que j'ai travaillé dans ce banner à passer un moment? Regarde, c'est celui-là. C'est ce véhicule-là, là. Attends, j'ai partir parce qu'il y en a, il va spawn, frérot, ça va... Shérif, fais-moi peur. Ouais, c'est ça. Putain, Tim Tim, il a la ref, le shérif, fais-moi peur. Putain, tu... Et Tim Tim, t'as un putain de BG, frère. Rien à dire. Il rêve de tout, je vois. Mais Tim Tim, il gère trop. Ah, mais t'en avais un comme ça, tu te souviens de celui-là? Oui, je me rappelle. Et combien il le vend? Je le veux. Rappelle, j'avais fait, attends, c'était... Avec à l'arrière, t'avais fait un tuning de fou et tout. Pro. Ouais, c'est le nom du film, oui, c'est le nom du film, c'est le nom du film. Je sais pas combien. J'ai mis je sais pas combien en tuning, et puis je me rappelle que genre j'étais parti avec des gars en RP, hein, je connais pas IRL, et genre on était parti au Mont Chiliad et tout, on avait galéré, c'était n'importe quoi. Est-ce que tu te souviens de la dernière plaque? Genre les plaques des véhicules récents, à l'époque. Non, bof. C'était entre 60 000 et 70 000. Regarde la plaque du véhicule. C'est une 90 000. C'est-à-dire qu'il y a 90 000 véhicules. Là, il y a 20 000 véhicules qui se sont fait acheter entre-temps, c'est abusé. C'était et encore, c'est parce qu'on a vu une plaque 90 000, mais ça se trouve, il y a plus. Ouais, ça se trouve, il y a plus. C'est possible. Large possible. Bonjour, bonsoir. Ouais. Vous êtes bonsoir. Vendeuse ouais, c'est juste pour une question. Ah non, mais c'est... Ouais, Oui. Nous, on vend pas, mais vas-y. Non, ouais, je sais, c'est juste une question, mais est-ce que... La plaque, elle est... Elle est carrément vieille, bah, ça vaut plus de valeur. Ouais. Bah là, au-dessus des 10 000, ça vaut pas moins cher, en fait. Ça vaut pas plus cher, pardon. C'est... Toutes les plaques en dessous de 10 000, ça vaut de l'argent. Au-dessus, ah, pas. Ah, ok. Voilà. En dessous de 10 000? Ouais, en dessous de 10 000. Donc si vous en avez une en dessous de 10 000, bah vous avez de la chance, quoi. Ah, d'accord. Ok. Non, mais c'est pour savoir, parce qu'en fait, des fois... Ouais, je sais pas, bah, les gens, je comprends. Ils ont comment le numéro de plaque avec leur numéro de ville et tout ça, donc ça oui, cherche, oui. Je pense pas. Bah c'est quoi votre numéro de ville, juste pour savoir? Bah 37 993. Non, j'ai pas une plaque qui comme ça. Bon bah désolé, bonne journée à vous. Bonne journée. Attends, oui, il y a du message. Ah oui, c'est pas le bon drapeau. Ouais, sur la voiture, c'est pas le bon drapeau. Normalement, c'est un drapeau des... mince, c'est un américain. C'est le drapeau américain, mais dans le film... Oh, bonsoir, monsieur. Dans le film, je crois que c'est le drapeau des colonialistes. Genre des mecs qui sont pour le... Pour la traite négrière ou des trucs comme ça. Là. Ah, oui, ouais. Ouh, j'ai pas vu. Je suis arrivé. Agence touristique. Non, je crois okay. Que... c'est bien le film General Lee, c'est pas Assurance Tourix. Agence Tourisque. Ouais, celle-là. Enfin, je crois que c'est bien Shérif, fais-moi peur le film. Non, c'est pas un porc, à part si maintenant il fallait un porc, mais là par contre je pèterais mon crâne. Mais... Vas-y l'autre, je vais le laisser parler uniquement e-game, sinon il va me casser les couilles assez vite. S'achète... Attendez, c'est les flics ou c'est mes collègues mécano qui met ses gyros? Ah non, c'est les flics. C'est bien aussi. Drapeau des États confédérés. Ouais, mais je savais que ça avait un rapport avec. J'ai même plus le nom. L'esclavage. Ça avait un truc avec l'esclavage. Dans le film. Un moment, ils se font custom la voiture, la General Lee, avec la nouvelle forme, et ils passent dans une... Dans... C'est bizarre dit comme ça, mais ils passent dans des quartiers chauds, un peu, où il y a beaucoup de personnes émigrées, quoi. Et ils les regardent hyper mal, parce qu'ils ont ce drapeau sur le toit. Voilà.
Mais c'est vers quoi les états confédérés? Ça semble, je me plante complètement et c'est pas du tout le bon film et on parle pas du même. Je regarde vite fait, drapeau des états confédérés. Ouais, c'est ça. Un idéal de blancheur et exclusion des gens de couleur, c'est ça. C'est un truc raciste, ouais. Ouais, c'est le drapeau des racistes en gros. Mais ouais, tu m'étonnes qu'ils pouvaient pas le mettre dans GTA, ça serait pas bien passé quoi. Vas-y, je sais pas trop quoi faire. On va aller trouver d'autres concesses. L'autre il est en train de parler. Il s'est fait des potes. J'ai bien envie de me faire pourchasser par des flics, ça peut être drôle. On va aller voir un peu ce qu'ils ont dans les concesses. Je regarde si j'ai pas un petit coup de cœur pour une voiture. Y'a personne qui bosse, c'est tous des putains de flemmards dans ce jeu de merde. C'est du véhicule qui vaut cher ici en vrai. Pas le budget. Ouais, en vrai, c'est un bon film. Après, il est un peu vieux, je l'ai vu il y a longtemps. Mais je pense que si on le re-regarde maintenant, le film va avoir vieilli quoi. Les effets sont plus vieux forcément. S'il y a des effets, je me souviens plus dans le détail. Je fais un rupteur parce qu'il a une électrique, donc je me fous un peu de sa gueule. Oh, une limo! Putain, trop bien! Bon, faut pas l'acheter parce que c'est invendable, mais. Une fois, il y a un Américain qui t'en a offert un. Qui t'a offert un! Oh putain! Non, gros! Faut pas balancer des dingueries comme ça aussi! Oh putain, je te jure! Je te jure! Putain, vous êtes toujours au taquet, vous! Ça me fume! Oh là là! Vas-y, là j'ai envie de me faire pourchasser par des flics, là j'ai bien envie d'une petite course-poursuite, ça peut être pas mal! Pas si vous voyez dans le chat en haut à gauche, enfin le chat du in-game, un mec il demande c'est quoi la vitesse en ville. L'autre il met 500. Ouais, c'est où? J'ai fait le tour dans les autres concesses, y a rien, y a un truc qui vient de péter, mais sinon y a rien. Du coup, je suis devant le banner là, okay, quasiment. Ça marche. Ouais, mais non, et gros, t'es un malade! Mais t'es un malade! Mais je vais me faire arrêter. En plus, tu sais que j'étais flic avant, donc les mecs ils vont me reconnaître et tout, je vais me faire blacklister. En plus, il y a moins que je me fasse ban, c'est pas très RP, donc... Dis-moi, t'es où, je te rejoins. Je suis au Comico. Comico, j'arrive. Pas ouf, la voiture. Vous êtes policier, monsieur? Ouais, non, pourquoi? Quoi, Coubert? Oh, vous êtes drôle, vous! Wouah! Ta gueule! Je pense que je me casse en vrai. Hein. Ouais, d'accord. La voiture pourrie. Y'a rien à foutre. Oh, les mecs, ils arrivent, Kokoubé. Wouah! Le cringe! Le cringe incarné, le Kokoubé! Ça fait attaque terroriste. T'es cassé, ouais, j'étais où? Je suis au Red and Black. Ah, il est où le genre de mec? Derrière la banque 3. Ouais, je sais. Que je vois. Ça fait attaque terroriste, je sais, mais gros, en fait, c'est une vraie sauvegarde là, ce que j'ai là. C'est qu'il y a des. Il y a genre un an de jeu. Gros, si je me fais arrêter par les flics et ça fait un an de jeu qui dégage en comme ça, en un claquement de doigts, quoi. Je peux pas faire ça. Ça va, gros? Ah, mais t'es dans la caisse, wesh. Non, toi, t'as plus un infini sur ta radio. Oh merde.
Voilà, ouais. T'as vraiment des petits problèmes dans le genre. Il y a un mec qui m'a dit, qui a un mec qui m'a demandé là dans ma webcam. Il m'a dit va au Comico et tire sur un flic. Qui t'a demandé ça? Tim Tim. Quoi, je lui ai dit mais t'es un malade. Putain, mais je lui ai dit mais t'es un malade gros. T'as un tam tam. T'as un tam tam dans ta tête. Toi. Espèce de fou. Bah. Oh là là. Non mais gros c'est pas possible genre pourrir un an de ville comme ça c'est fou. Non même plus d'un an je crois. On a plus d'un an largement. Largement plus d'un an dans la ville. Viens, on essaie de se faire pourchasser par les flics, genre on conduit comme des billes et on essaie de se faire pourchasser. Alors là, dans ce cas-là, je prends la Reinhardt. Hein. Bah écoute, et commence avec ça déjà. On ira la changer à la maison. Ouais. Non, vas-y. Bonsoir, je peux vous aider. Bonsoir. Bah non, c'est tout bon, on a vu, il y a rien qui nous intéresse dans votre stock. Sauf si vous en avez d'autres qui sont pas affichés ici, mais... Alors, moi perso, là j'ai rupture de stock. Alors, j'ai juste les 5 véhicules noirs là. Ah, bon bah ça m'intéresse pas, je suis désolé. Par contre, c'est une Izzy qui est là-bas là. Ouais, mais elle est pas à vendre, c'est un collègue. Ouais, mais elle vaut combien déjà? 800 000 français. Ah, c'est 800 000, ouais, je pensais que c'est moins cher. Donc si elle est chez nous, elle sera 680 000. Dans mon job, on s'entraîne avec d'autres pays et des fois. On était avec des Américains et moi j'étais content car je savais pas c'était quoi ce drapeau. Si vous avez des véhicules à vendre, n'hésitez pas à venir. Ok. Au revoir. Wesh, what the fuck. Il t'a offert un drapeau bizarre, gros Anto. Hein. Ouais, je te jure. T'as vu la voiture à gauche? Je te suis. À gauche là. Les deux véhicules, c'est des petites pépites là. Hein. Mais elle est magnifique, je bande. Clairement. Mais du coup, c'est chiant, il n'y a pas de véhicule là à acheter. Faudrait que je regarde. Je sais même pas où est-ce qu'on pourrait les acheter. Mais je sais pas non plus. Bon, vas-y, on va aux sirènes, on va essayer de se faire choper par les flics. Ouais, moi juste par contre, je crois qu'il y a quand même plus de patates qu'un véhicule de flic, mais quand même. Je l'entends plus, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais pas, moi je te suivais mais... Ah, je vais au Comico, je vais voir. Vas-y. Oh j'ai claqué un rupteur là devant le Comico. Attends, recule un peu. Oui, il y a une moto. Recule un peu. Il y a une Bentley aussi là. C'est des véhicules de flics. Tu penses qu'ils sont fermés ou... Évidemment. C'est vraiment une salope. Hein. Oh oui, je tape une pointe. Faut dire, j'ai pas le même véhicule que toi. Ouais, en fait, j'essaie de taper des pointes et de drift pour les attirer un peu. Mon véhicule est un peu moins puissant que toi. Mais comment ça, je les attire pas en conduisant comme ça là? Je vais surtout m'attirer les modos en fait. Là, il y a les modos, ils vont me dire c'est pas du tout RP ta conduite. T'es où? Oh putain, je t'ai semé, merde. Tu sors du Comico, tu vas vers le parking, bah au lieu de rentrer dedans, tu vas à droite. Tu vas me voir, je suis à un feu rouge là. Ça marche. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est parti ce con. Bien, je pense qu'on va faire des courses en vrai. Genre dans la ville. Puis ça attirera forcément les flics. Course de rue ? Ouais, course de rue. Je sais pas si tu vois, il y a un parking à côté du Comico.
sais, ouais. Il surplombe le... Ouais, ouais, ouais. Là, j'arrive. J'ai mon nez qui dépasse. Oh putain, je me suis chié dessus quand j'étais en l'air. Oh. Mais frérot, je me suis dit, mec, t'es passé au-dessus de mon véhicule. Hein. Ouais, à peu près, ouais, à peu près. C'était l'objectif à la base, mais j'avais pas conscience que le mur était ouais, si proche. Mais t'as, ouais, faut juste que, voilà, faut freiner quoi, après, sinon c'est le mur. Et ouais, là, ouais, t'inquiète. Vas-y, on vient, on fait des... Wesh, wesh, wesh. T'es trop cool, frère. T'es trop con. Attends, j'arrive, je viens te chercher. Ah, ça vers la chute. J'arrive. Je suis dans le mal, t'as pas des médics. Mais non, gros, j'ai rien. Putain, j'en peux plus, je suis trop con, ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je viens de chercher. Mais frérot, c'est bon, je suis à côté de ma voiture, moi. Mais t'es remonté par où? Ah ah! Parking ouvert. Non, non, c'est là-bas. Alors, en vrai, j'ai juste fait le tour, tu m'as juste pas vu. Mais il y a une échelle? Mais attends, il y a une échelle, gros. Ouais. Bah non, j'ai fait le tour, je suis remonté par le parking, mais j'entends que tu étais en train de sortir quand j'étais... quand je suis arrivé. Oh. Ouais, clairement une tentative de suicide, ce qu'il a fait, quoi. Viens, vas-y, mets-toi à ma gauche. On part d'ici, et viens, ouais. on va... Merde. On va à l'aéroport. À l'aéroport? Ouais. Celui du bas? Non, le gros, là. Le gros. Ok. Oui, bah celui du bas, c'est celui. Ouais, c'est le gros. 3, 2, 1, go. 4 roues motrices de tes couilles, va. On n'a pas pris tout à fait le même chemin. À voir lequel va porter ses fruits. T'as pris un chemin de merde. Dans tous les cas, ton véhicule est plus puissant et t'as 4 roues motrices. Donc dans tous les cas, c'est niqué pour moi. C'est vrai. Faudrait peut-être que tu changes de véhicule en fait. Bah, ce que je te disais tout à l'heure. Viens, on va à la maison, on va changer. Faut que je prenne la Reinhardt. Ouais, prends la Reinhardt. C'est mon véhicule le plus puissant. Je vais prendre la Cinque Emila, comme ça t'auras une chance, on aura pas le même véhicule quand on se fera des courses poursuites dans le truc. Vas-y. Par contre, il y a les flics, on fait comme dans Fast and Furious, on s'éparpille. Let's go! Fast and Furious! Tu chantes plus de rire, ça, j'entends plus de son intro, c'est moche! Ta gueule! les gars dans le chat, en vrai j'ai bien imité Fast and Furious. Nanana Tokyo, nanana, Fast and Furious! Frérot, tu sais pas chanter Tokyo Drift! Ta gueule, j'étais en train de le faire à mon chat là, j'étais en train de voir pour qu'il puisse juger mes talents de chanteur. Ton quoi? Ta gueule! Oui, c'est vrai, t'as mis la webcam! C'est vrai, j'ai oublié, sur le fond et tout, t'inquiète. Eh, j'ai mis la webcam! On a même plus le droit de faire des live IRL ici. Ouais, je sais que tu fais des live IRL, c'est pour ça, tu vois, genre... Ouais, live IRL, ouais. Oui, c'est un live irréel, carrément. Je reconnais rien à le bâtard. Par contre, faut que j'aille me chercher un truc pour me soigner, parce que si je fais un accident, je suis mort. Tu sais ce que Tim Timmy m'a dit? Il m'a dit je reconnais rien du tout. Bah, il a bien raison, Tim Tim. Vas-y, je pue le somme. Il dit juste la vérité, hein.
merde, ma porte. Chat. Putain, attends, je vais la réparer. Et putain, fais chier. Je personne. Il faut que j'achète des médics aussi. Même les mecs dans mon chat, ils se foutent de ma gueule. Oh putain, c'était dégueulasse. Pardon, excusez-moi. Waouh, je me suis lâché là en fait. Oublie pas que ma voiture est recherchée à cause de toi. Je te rappelle que j'ai dit qu'il y avait une Reinhardt rouge qui t'avait poursuivi et après j'ai pris ma Reinhardt et qui est rouge. C'est vrai. Mais j'en étais sûr, hein, tout merde, ils ont rien dit, c'était sûr. Je te signale que j'ai été flic, hein, et quand j'étais flic, qu'il y a un mec qui me disait « Ouais, j'étais poursuivi par une Reinhardt, je faisais même pas passer le message. » Parce que je savais que ça servait à rien. Bon, du coup, t'es où, toi? Eh bien voilà, je vous donne un peu plus, vous êtes nouveau, attention, voilà. Je vous donne le double. Et mais de rien, bonne journée. T'es au mécano, putain, mais fallait me le dire, j'arrive. C'est bon, je suis plus au non, mécano. Bon, c'est bon, je suis en Discord là. Ah, frérot, je te dis, je te dis. What the? Frérot, what the? Qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher nous des médics. Genre, what the? Voilà. Les gars? Vous avez vu ce qui... Quoi? Mais attends, il y avait deux putains de motos au milieu de la route, j'ai roulé dessus, j'ai fait deux tonneaux. Ouais, ça par contre, faut faire gaffe parce que les motos... T'as, heureusement que j'ai freiné, lui, je vais taper. Les motos au milieu de la route, ça... Ouais. Allez, tu vas... T'es où, là? Je vais acheter des trucs de médic. Bon, on se retrouve à l'aéroport, au pire. Sauf à l'aéroport, mais vas-y. Ouais, mais après on s'y retrouve là-bas. Bordé. Tu vois un endroit par contre, voir là, à tous les coups, je me fais braquer. Mais t'inquiète. Tu sais, ça arrive à tout le monde de se faire braquer. Ouais, on me casse les couilles, j'ai rien du tout sur moi. C'est vrai que moi aussi j'ai mon pompe sur moi. Putain, si je me fais arrêter par un flic et qu'il me fouille, je suis dans la merde. Hein. J'ai en fait... les 80 000, j'ai des. J'ai gardé genre. Magnifique chevelure, monsieur. Ouais, 50 000. Merci. Ah oh ouais, c'est Julien Doré. Putain, ils sont forts, c'est con. Ah là là, il y a un mec, il est arrivé, il m'a dit oh, magnifique chevelure, monsieur. Et l'autre, il me fait putain, c'est Julien Doré. Lui, il est suspect, lui, il s'arrête au feu rouge. What the fuck? Oh, ok, oh, je me suis pris le plus gros vent de toute l'histoire de l'humanité. Oh, c'est difficile. Kangé, il est passé devant moi. Mais x2, hein. X2, le plus gros vent de toute l'histoire de l'humanité. Mais je suis sûr que je pourrais mieux, tu s'en rendrais même pas compte, ce fils de pute. Tu le disais, oui. Je vais me pendre. Vas-y, va te faire enculer. Sale merde, reviens en radio des... T'as rien d'écouter le fait que je panique. Quand panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson, messieurs dames. Tu peux arrêter. Ah là, exactement. J'arrive. Simple, c'est un flic te fouille, tu le butes. Putain, mais il a pas tort, Team Team. Si un flic me fouille, je le bute. Tu lui fous un coup de boule. Bon, je me suis arrêté à acheter un medikit aussi. Une vraie gueule, je vais aller en bas. Je vais aller à l'aéroport. T'es où toi? Ah, je suis à l'aéroport. Bah en fait je me suis arrêté à acheter un médic du coup sur la route. Bah moi j'en ai acheté 3. Bonjour, un avocat commis d'office est actuellement demandé comme ça, de non, merci. Bon. Ah, c'est vrai que j'ai arrêté là où tu sais où il y a le... Tu sais la boîte de nuit de base. Ah ouais, bah je te rejoins. Tu sais il y a un parking un peu derrière. Yes. Il y a aussi des...
je vais reprendre un public. Et ça me donne pas trop la vie encore. J'ai même pas regardé le prix des médics, j'ai juste acheté. J'ai même pas cherché. Ah bah il est déjà là. Bah c'est super ça. Elle pue de ma caisse, elle pue. Il était propre le drift en vrai les gars, il était propre. Je te signale qu'on est radionné. Alors, gros, pas besoin de parler in-game. Hein. Je te parle in-game quand même. En vrai, il était propre le drift. Je suis rentré à l'aéroport. En vrai, tu peux pas dire qu'il était pas propre. Non oui, il était propre. Je suis arrivé, hop, gros coup de cul et je me casse. Les fameux trucs comme ça ici. Ouais, là déjà, juste trouve-moi, on va faire un touche-touche. PTDR, trouve-moi et tu me touches. Vas-y, pas de soucis, on fait un touche-touche. PV, le touche-touche qui va finir dans un pylône. Clairement. Alors, le touche-touche. Alors, où est-ce que t'es? Dans ton cul. Ta gueule. Ta gueule. Alors, est-ce que t'as un mouvement ou pas? Non, vraiment pas. C'est vraiment un loup cache-cache là pour le coup. Ça va rien rouler vite. Donne-moi des indices si j'y arrive pas. Je sais pas. Hein. Ouais, mais en fait, c'est pas très intéressant de faire une course de rue, en vrai. Il y a trop de chances d'avoir des accidents et tout. Là, on va faire une course... En fait, là, faut juste qu'il me trouve. Une fois qu'il m'a trouvé, ça va partir en couille dans l'aéroport. En plus, il n'y a jamais personne qui regarde. Parce que course de rue, ça peut être mal interprété par les admins comme une conduite à HRP et tout. Donc, chiant. Bon, je te donne un indice. Je suis à l'abri de la pluie. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, les indices. Bel indice, j'aime bien l'indice, j'aime bien. Oh hop, je t'ai touché. Allez, va te faire foutre. Ah mais d'accord, ah, mais... ah oui, je pensais pas que t'étais... Ok, parce que moi j'étais totalement dans autre chose en fait. Ah oui, d'accord, non mais... Okay. Ah oui, non mais... J'ai rétorqué vite, hein. C'est ça que t'as rétorqué vite. Y'a pas le droit à la retouche, hein. Salut ta mère. Ah putain, vas-y. Je suis en train de me promener, même moi je te cherche quasiment en fait. Moi je suis en train de te chercher là. Je suis passé à côté de toi. Bah oui, je sais bien, j'ai regardé en arrière, je t'ai vu. Ah le bâtard. Je crois que j'ai une voiture plus agile que toi. Possible. Oh, mais moi je l'avais pas prévu le demi-tour là. Ok. Je sais même pas si tu me suis encore en vrai. Attends. Fais un saut où tu te mets sur... où tu mets... Attends. Tu mets qu'un côté de ta voiture sur la sorte de rampe. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. T'es où là? Je vais pas te dire. T'es à l'arrêt, tu fais quoi? Je suis en mouvement, je suis en train de rouler là, je me promène. Je cherche une sorte de rampe là pour faire ce qu'on m'a dit de faire. Ça, je peux le faire.
J'ai explosé ma voiture, c'était une mauvaise idée. Je suis vraiment en train de limite je suis en train de respecter les routes là, attends. Je suis en train de rouler sur une route là dessinée. Mais gros, c'est pas possible que tu me vois pas. Ah, c'était impossible, elle l'accélère tellement pas fort. Faut aller vite aussi. Ouais, bah démon, t'as vu comment j'ai explosé ma voiture en allant pas vite déjà? Faut pas lui dire, hein, mais il a ses phares d'allumer, du coup ça m'aide vachement en fait. Oh! Ça aurait été très beau que je t'ai juste par hasard comme ça là. Alors ça m'a perdu? Ouais, là je t'ai perdu. Ah si, en fait, là c'est là où je me rends compte que la Reinhardt elle est vraiment pas chère hein, pour ses performances qu'elle offre. Elle est à 600 000 alors que tu sais que ma Cinque Mila elle est à 800 000. Hein. Bah oui, mais le 4 motrices et tout, ça fait tout hein, vraiment. Bah ouais, pour, en plus elle a une accélération elle a... pas très folle la elle mienne. A... Alors, en, vrai, en fait, c'est que toi c'est qu'elle patine. Alors si elle patinait pas, toi ce serait une 4 motrices, tu m'exploserais, clairement. Bah clairement. T'aurais pas un indice? Petit indice à balancer? Je ne suis pas caché de la pluie et du vent. Ouais, merci. Je reprends ton indice de tout à l'heure. Gros, merci. Ça représente indice. Genre 100% de la surface. J'aime en fait, bien du sol. Les hangars. Non, t'es parti en hangar. J'aime bien les hangars. Autant je suis autour, autant je suis dedans, autant je suis planqué dans un hangar, autant je suis... Ah non, t'es pas à l'abri du vent, tu m'as dit. Oui. Je vois un feu. Ah non, c'est la remorque. Il y a des remorques, elles font des lumières. Putain, je me suis fait brain. Ah ouais, on dit, j'aime bien les endroits. C'est vraiment une salope. Hein. Oh, c'est le seul hangar qu'il y a dans ce jeu. Putain, il est passé à côté de moi. Comment ça? Mais tu t'es... Tu comprends mieux maintenant? Je comprends mieux. Mais gros, ta voiture elle est invisible. Moi ma voiture elle est blanche, toi c'est une voiture noire. Alors elle est rouge. Brain par une remorque. On a perdu? Mais gros, j'étais en train de suivre une ombre mais il n'y avait pas de voiture en fait. Mais gros, ça t'a... Oh! Je vais te sortir une voiture noire, tu vas voir comment c'est galère à suivre. Oh, vas-y, je t'ai reperdu, putain. Il me casse les couilles, j'ai une voiture de merde. Indice. Pas très loin, on peut faire un saut. T'as où est-ce qu'il y a un saut ici? Avec les éléments du décor, hein. Pas avec un saut prévu par... Putain, c'est pas, ça serait pas ce saut-là, là? Je vais vous montrer, les gars du chat. On peut faire ça, frère. Je crois que c'est pas RP de faire ça. Je suis pas sûr, hein. Regarde sur ta droite. ok, sur ma droite. Et y a rien, gros, hein. Y'a rien. Bah faut pas mytho comme ça, frère. Balance des vrais indices au moins, sale enculé. Moi je t'ai pas donné de faux indices. Oh! Je pensais pas qu'elle allait tourner autant. Ah merde! Mec, j'ai... Yes! Yes, j'ai réussi à me barrer! J'ai réussi à me barrer! Oh. Mec, ma caisse, j'ai mangé un tout petit truc.
genre toute la puissance est sur le niveau des roues arrière, mon véhicule, j'ai accéléré, il a cadré. Sale bâtard! Je t'ai retouché. Mais non, ça compte pas ça. Non, comment ça, ça compte pas? Comment ça, ça compte pas? Tiens, voilà, là je t'ai touché. Bah là c'est bon. Bah non, du coup. Parce que moi j'ai pris que j'étais. Bah attends, mais non, tu m'as touché, du coup je t'ai retouché. Ah non, me dis pas qu'il y a eu un bug de synchro. Et il est concentré là, le petit Gab. Petit, mais pas des moindres. Je suis un putain de connard aussi! Est-ce que on gagne en Axel? Axel, tu me manges. En virage, tu me manges pas. Oh oui! Non, ouais. Clairement touché. Je t'ai clairement touché. Oh non, mais non, le gros, j'ai la rediff là. J'ai la rediff, tu m'as pas touché. Bah, moi j'ai la rediff aussi, hein. Moi j'ai la rediff aussi. Oh non, mais c'est pas. Mais putain! Bug de synchro de merde! Bug de synchro de merde. Voilà. Mais quoi, il peut te le dire? Bon, j'ai deux personnes dans mon chat qui peuvent te le dire. J'ai la majorité. Je m'en bats les couilles, j'ai ta majorité. Oh. Tout à l'heure, tu m'as dit ouais, non. Non, Joker, il est pas venu pour le moment, mais je crois que GTA ça m'intéresse pas trop. Joker, il est à fond sur Bimenzu. Je m'en fous, tu me cherches. Oh non, gros, non, tu m'as pas touché, tu m'as pas touché. Tout à l'heure, frérot, t'as freiné, et j'ai laissé passer quand tu m'as dit ouais, c'est bon. Mais non, gros, non, en fait, tu m'as touché. Du coup, moi j'ai pilé pour te retoucher, j'ai raccéléré. Oui, mais non, mais ça, non, ça marche pas, c'est vraiment un truc de pute. Bah après, tout meilleur, de tous les cas, juste après, je t'ai retapé pour de vrai. Donc attends, je t'ai tapé plein de fois, là, c'est bon. Regarde, tu es juste derrière toi, là. Viens de taper. Non, mais on va clairement pas. Bah écoute, moi j'en ai rien à foutre, j'ai gagné, alors bon. Bah non, parce que concrètement, non. T'as pas gagné. Ah si. J'en ai rien à branler, j'ai laissé passer tout à l'heure, là, c'est trop bien. Mais comment ça, t'as laissé passer, gros, je t'ai touché plein de fois, c'est bon, tout à l'heure, je t'ai retouché 8 fois, je peux sortir les rediffs. Ah là là, ouais, mais c'était vraiment des trucs de pute quoi, quand ça, ça serait pas tardé. Ouais, ça ne serait pas tardé. Ouais, bon. Bon, tu. T'es décidé à venir me toucher là ou pas? Bah, pour non, de vrai, c'est toi. T'es venu me toucher. Ouais, non, moi je t'ai déjà touché, non. C'est bon. Non, mais gros. Non, si tu veux faire un celui qui a été à la tête de mule, on va faire la tête de mule, hein. Tu veux faire la tête de mule? Moi j'en ai rien à foutre. On va faire la tête de mule. Ah ouais, la tête de mule, ça va être un concours de tête de mule. L'autre il a une Rinart, il peut me fumer à chaque virage, mais il fait quand même sa tête de mule, ce fils de pute. Il a récupéré le meilleur véhicule des deux, et en plus il fait sa tête de mule. T'en étais vraiment enculé jusqu'au bout, toi. C'est toi la tête de mule. Comment ça c'est moi la tête de mule? Tu m'as pas touché, c'est tout. Un moment, frère, assume, faut faire des vrais coups. Si, je t'ai clairement touché, on va prendre la rediff. Oh, hey. T'es un putain de gamin, frère, tu casses les couilles. Il y a du brouillard, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il me raconte, ce bâtard? Frérot, moi sur mon écran, il y a un masse brouillard. Il y a un petit brouillard léger, quoi. Merde, je sais même pas où t'es. Même si je voulais te toucher, je sais même pas où t'es. Moi aussi, en fait, c'est pas ça le problème. Pourquoi il y a deux? Oh, on peut tuning son véhicule ici. C'est carré. Je viens clairement de dévoiler ma position, en fait. Le tir. Where are you, le petit Gab? J'en ai un gros, on est encore pas allé tout à l'heure. Je suis clairement au milieu de la piste, donc si tu veux me toucher, c'est vraiment le meilleur moment, quoi. Bah non, parce que c'est pas moi qui te touchera. Oh, mais t'es vraiment un putain d'enculé, frère! Tu m'as pas touché, un moment assume!
Non mais moi si je t'avais. Gros, si sur ton écran je t'avais pas touché, je t'aurais dit ok bon je t'ai pas touché, tu vois, c'est pas grave, vas-y je viens de toucher, tu vois. Bon, un moment frère, non. On fera le geste. Au pire, pierre feuille papier ciseaux dans le chat. Là dans le chat, pierre feuille papier ciseaux, là sur le Discord. Celui qui gagne, c'est celui qui a gagné. Alors qui s'est pas fait. Qui. Voilà, tu m'as compris. Celui qui perd, c'est celui qui cherche, quoi, tu m'as compris. Vas-y. Alors, pied pour feuille, P pour pierre. Mais non, tu marques en entier, c'est bon, tu marques en entier, tu marques à l'avance. Vas-y, okay. Je suis prêt. 3, 2, 1. Yes! Allez, viens me chercher! What the? Mais gros, j'étais à l'arrêt! T'es un putain de bâtard! J'ai voilà, jamais vu un bâtard pareil. Qui veut jouer à la pute, on va jouer à la pute. Mais comment ça? J'ai joué réglo, t'es vraiment un putain d'enculé toi. Fais gaffe, je te jure. Jusqu'au bout, t'es un putain d'enculé, mais jusqu'au bout. Toi l'enculé. Mais comment ça c'est moi l'enculé? J'ai joué la réglo. J'ai fait un pierre feuille papier ciseaux à la réglo, t'en as profité que j'étais à l'arrêt pour me rentrer dedans, espèce de bâtard va. Donc moi, non, on a fait pierre feuille. J'avais même le moteur éteint. On a fait le pierre feuille papier ciseaux. J'ai rallumé mon moteur. L'autre il m'a stalké, il attendait que ça que je m'arrête sans cet enculé là. Bon, comment ça t'étais devant moi, t'as dit spawn? Comment ça t'étais devant moi, t'as dit spawn? Quoi? Les gars. Et on est d'accord, il était devant moi, il a disparu. Wesh, c'est quoi ça? Gros, l'agilité de la Rinart me surprendra toujours. L'agilité de la Rinart me surprendra toujours. C'est vrai que même moi je suis des trucs, des fois je suis en mode par contre c'est limite. Hein. Encore et toujours brain par une remorque. Ouais, c'est bon, ça va. C'est bon. La dernière fois j'ai vu un phare dans le noir. Je me suis dit bon, je vais y aller. Je me suis fait brain. Là je vois deux phares, je me dis bah il s'est rajouté à côté de la remorque. Bah non, c'est un deuxième phare, voilà, j'en ai ras le cul. Je sais même pas où c'est, où t'es, balance un indice, c'est grand putain. Indice, je suis parti ranger mon véhicule et je l'ai ressorti pour qu'il soit tout neuf. Bah comment t'as fait? Y'a pas de garage? Qu'est-ce qu'il me raconte ce bâtard? Eh d'accord. Putain, waouh. Gros, t'as frôlé hein. J'étais à ça de te toucher hein. Boy. Peut-être faire la même aussi. Je savais que je suis malin. Mais oui, je le savais bien évidemment que t'allais faire demi-tour. Oh. Je savais. Ce bâtard il me dit retourne voir s'il y a une troisième lumière. Allez, c'est bon. Je sais que je me fais humilier, mais quand même. Non, mais putain. Gros, l'agilité de la Rinart est incomparable. Bah, je pense que je vais aller réparer ma voiture. Je reviens. J'ai voulu te suivre, gros. J'ai voulu te suivre, je me suis mangé. C'est bon, elle est morte, là. Si elle roule encore, c'est un miracle. À partir de demain, j'essaierai de passer... car demain, je pars en OPEX. Oh. Tu es ça. C'est quoi un OPEX? Il est militaire, donc il doit... C'est une opération sponsorisée? Un OPEX? Salut, comment ça va? Vas-y, hey, regarde ce que j'ai comme véhicule. T'as quoi? Oui, mais tu m'as pété mon véhicule, sale bâtard! Range ça! On fait une course-poursuite avec un paquet. Attends, gros. T'es un putain de bâtard en fait. Non, allez, c'est bon, j'ai le TF4, c'est bon, j'en ai ras le cul. T'es un putain d'enculé. Je veux se faire spawn ma voiture pour avoir l'avantage de la spawn en premier. Tu fais spawn un camion pour la casser. T'es vraiment un bâtard. Y'a rien d'autre à dire, frère. Alors, à la base, je voulais vraiment juste penser que ça allait spawn à côté premier degré. T'es vraiment un enculé jusqu'au bout. Un enculé fini, frère. Bah, là, j'ai essayé de s'en prendre rager.
Mais je suis pas en train de rager. Un bâtard qui t'es une tête de mule, t'es un bâtard. Et en plus, quand j'arrive à te battre, tu trouves un moyen d'enculer pour me battre derrière. Tu m'étonnes que ça m'énerve. Tu penses que je vais rester calme alors que le gars, c'est un bâtard jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même dans les tout petits détails, c'est un bâtard. J'adore parce que vraiment... Moi, je joue normal tout à l'heure, je suis tranquille, je rage. Mais gros, c'est pas possible. Tu joues pas normal, tu fais tout pour me faire chier, c'est pas possible. Je veux pas que j'aime rien. Je vais l'enculer. Et en plus, il a despawn parce qu'il a une Rinart agile. Je vais aller me chercher ma Rinart, j'en ai ras le cul. Non, oh, mais elle est là. Je te suis. C'est pas possible, je te suivais, mais j'en ai marre. S'il te plaît, le jour revient, j'y vois rien la nuit, je suis aveugle. Même l'aveuglité voit mieux que moi. L'aveugle dit quoi? Oh, je t'ai touché. J'en ai rien à foutre, je t'ai touché. Alors, sur mon écran, tu m'as pas touché, mais je te l'accorde. Va te faire enculer, j'en ai rien à foutre, je t'ai touché. Je te l'accorde, mais j'ai pas besoin d'insulter, c'est trop... Je t'insulte gratuitement maintenant, parce que je suis en mode rage. Oh oh, trop... What the... What the fuck? On sait pas. Non, en vrai, l'écart d'adhérence est trop fort, gros. En écart de puissance, tu me rattrapes, là. Oui, je te rattrape. Là, mais en écart d'adhérence, j'ai pris le virage, j'ai senti ma voiture partir, j'ai dû freiner, tu m'as rentré dans le cul. Mec, moi, je suis passé à fond, je suis passé à bloc. Bon, moi, à bloc, je me mange le mur. Oh bah regarde, genre là toi t'es parti en drift, moi je suis passé à bloc. Bah oui. C'est pour ça que je vais à des endroits où il y a moins besoin d'agilité là. Ah merde, Ah là, tu vois, quand je vais à des endroits où il y a moins besoin d'agilité là du coup, c'est mieux pour toi. Là mon véhicule est mieux, c'est vrai. Pourquoi je vais dans des endroits où il y a besoin d'agilité aussi, je suis vraiment un connard moi. Je vais dans des endroits où je suis pas en point fort, c'est bon. Toi tu as des endroits où il faut tourner, alors c'est vraiment le point fort de la caisse. Gros, va falloir appeler un mécano, elle est cassée ma voiture. Eh bah chère. Allez, monte dans le mien. Mais non, t'as pas de 100 balles. Il me manque 100 balles pour que je puisse appeler un mécano. Mais pourquoi? Attends, faut qu'on m'explique. Je l'ai fait au moins 5 fois. La seule fois où je le fais et je suis poursuivi, ma voiture elle se casse. Accès qui change. J'en ai ras le cul. Le jeu il est contre moi frère, j'ai l'impression. Je deviens parano. Oh, en plus t'as jamais de thunes, c'est toi le plus riche. Oui, j'ai jamais de thunes sur moi aussi. Et je vais les réparer mais autrement. Mais... Comment elle fume? Elle fait pitié ma caisse. Elle fait pitié. Non mais par contre on est d'accord, je suis monté 3 fois sur le toit avec ma voiture, jamais ça m'a fait ça. Là quand je suis poursuivi je le fais, ça la casse. Non mais oui, mais tu sais que quand je l'ai fait, ouais, tu sais que quand tout à l'heure je t'ai dit, ouais, et tout, un dix, on peut faire un tremplin et tout, enfin tu sais quand je t'ai dit ça, et genre je t'ai vu mon gars sauter, je me suis dit, va niquer sa voiture, j'ai le rebelle, c'est pas le rebelle. Ah, il est pas con Tim Tim, tu sais ce qu'il vient de dire? T'avais pas de pare-choc avant, maintenant t'en as un. En fait j'avais baisé mon pare-choc tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça que ça l'a niqué. Ouais, je pense que mon pare-choc il a dû taper en premier en fait, alors que ouais, avant c'était bien. J'ai un rebelle, tu sais, un gros 4x4. J'ai pas de gros 4x4, me semble pas. Mais en fait, j'ai envie de m'acheter, tu sais que j'ai envie de m'acheter l'Autoros. Tu sais, c'est l'équivalent de la Lamborghini Urus. J'ai bien envie de me l'acheter en vrai. Bah, ouais, tu peux. J'hésite entre ça et la Elegy, l'équivalent de la R32. Comme ça, je pourrais avoir et la Supra et la R32. Ouais, mais bon, franchement. On s'en bat un peu les couilles. Oui, c'est vrai. Mais en fait, la Supra, elle est pas si folle niveau performance. Genre, j'ai limite, j'hésite à revendre ma Cinque Mille parce que la Cinque Mille est aussi folle niveau performance que ma Supra, tu vois. Ça va?
Putain, elle est toute propre ta caisse, c'est dingue. Wesh, je vais aller baiser ma caisse, tu t'en fous. Moi je peux te mettre une balle tête là. Non. Là tu peux. Genre, tu sais que depuis tard, genre, j'ai visé exprès dans la roue, mais genre, si j'avais envie, c'était une bonne tête. Ouais, bah, ouais, ça, ouais, bah, bah, il a. Il... Ouais, pour transformer de la Legi, ça coûte de l'argent, en effet. Ouais. Ils sont perspicaces, les mecs, dans mon chat, hein. Ils sont. Putain, ils sont putain d'intelligents, 300 de QI minimum, hein. Ouais, comme même Einstein, il n'y avait pas ça. Putain. Non, non, je déconne, je me moque de vous, je déconne, je déconne. Putain, c'est bizarre comment c'est formé en fait ces plaques. Dehors, tu viens, viens, on va aller chercher un mécano. Parce que je crois que c'est. Ah, bordel. Ah! Non, il y a un mécano qui est venu. Monsieur! Bonjour! Venez! Venez! Putain. Bonjour, monsieur! Bonjour! Ah, bah, désolé de vous déranger si tard le soir, mais. Bon, je me suis un peu crashé quoi. J'ai arrangé ça. Merci beaucoup. Eh bah putain. Non mais là aussi. Elle a pas supporté le choc. Quel choc? Tu l'as culbuté? Ouais, je l'ai culbuté. Je vous dois combien, monsieur? 1005. Et je te donne plus de thunes, hein, ça y est, c'est bon. Je vais te trouver une thune. Voilà. Bah, merci beaucoup d'être venu, bonne soirée à vous. De rien, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ah, du coup, elle est verrouillée maintenant. Allez, je te laisse repartir. Je peux une pute. J'hésite à le faire. Oh, j'ai peur avec toi là. C'est bon, eh, je peux m'en aller. Ouh, putain, la première fois que ce soir t'es fair play. Gros, faut applaudir. Ouais, mais j'y ai pensé, donc concrètement... concrètement, tu restes une pute. Je reste une pute, mais je ne suis pas parce que je l'ai pas fait. Je suis une pute de fond, quoi. Dans le fond, je suis une pute, mais... Merde. Oui, 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 là, oui peux... Non, non, par contre, oui, frérot, là, oui, tu peux pas nier, mon gars. Mon gars, comment ça? Je t'ai mis un... Mec, je t'ai mis un coup, genre, mon véhicule, il a carrément, il a bougé. Gros, attends, on s'arrête, stop. Je vais aller prendre ma rediff, je vais te l'envoyer, envoie-moi ta rediff. Tu vas être bouche bée, gros, tu vas être bouche bée. C'est pas possible. Moi, tu dois voir. Comment on fait pour prendre un clip? Je sais même pas comment on fait. Tu prends un clip. Comment on fait? Studio vidéo. Gestionnaire de stream. Alors là, mon ref. Faire un clip. Hop. Clip copié dans le presse-papier. Comment ça, clip copié? Comment on fait pour. Tiens, je viens de te l'envoyer. J'espère qu'il y a le truc dedans. J'ignore ce que j'ai mis dans mon clip. Hein. Je sais même pas ce qu'il y a. Hein. Je vais te l'envoyer. Ouais, je sais, j'ai regardé. Ah non, mais non, il y a même pas l'action. Comment on fait pour faire un clip, un vieux clip? Il y a pas, mais vas-y, monte-le toi, vas-y, monte-le. Attends, je regarde ton clip. Merde. Oui. Alors, je t'ai... Non, non, par contre, frérot. Bon, ça va, tu m'as frôlé l'arrière. Tu m'as frôlé l'arrière. Mais t'as vu mon véhicule, comment il a bougé? Ton véhicule, il a bougé, certes, mais genre, tu m'as pas culbuté au milieu de mon véhicule non plus. Donc, c'est vrai qu'avec le ping, c'est clairement justifiable. C'est clairement justifiable que. Non, je m'en fous. Tout à l'heure, je t'ai retouché, et maintenant, on fait l'inverse, ok? Au moins, juste pour ça. Ouais, bon, c'est vrai que je me suis crash un peu quand même. Attends, juste. Là, Tim, il veut que j'aille voir dans le hangar s'il y a une troisième lumière. Il n'y a pas de troisième lumière, ok, tu vois bien, là, il n'y en a pas. Oui, regardez toi, mais... Il me saoule. Parce qu'il me dit qu'il y a trois lumières. Hop là, je t'ai retouché. Ah, t'as fait la pute depuis le début du live, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Oh, c'est pute, ouais. Je sais que j'ai même pas cherché, je vais. Je t'ai vu partir tout droit. Oh là là.
Ah, il a éteint les phares. Il a éteint les phares, le bâtard. Je suis un putain de gamin. C'est trop bien. Elle est même revenue à 1. Oui, clairement, il n'y a plus qu'une lumière dans le hangar maintenant. Oh, oh, j'ai failli perdre le contrôle. Ça aurait pu être très très beau pour toi, ça. C'est serré! C'est serré! Il me colle au cul! Oh non! Wesh! Mais le véhicule est cassé. Non! Non! Mec, non, frérot, mais. Non, tu mytho pas! Tu peux me l'accorder! Mec, non, tu peux me l'accorder! Là, j'allais te toucher, tu peux me l'accorder! Non, vraiment pas, par contre. Vraiment pas! Non, 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 tu me l'as toujours pas touché, hein. Touché! Tu m'en fous, il est cassé en ton du véhicule. Du coup, je dois faire les mécanos, wesh. C'est trop. T'as la thune sur toi ou pas? Bah, bien sûr. Bah, parce que il me reste 900$ du coup. Bon, on va peut-être arrêter là quand même. Parce que, genre, c'est pas qu'on arrête pas de défoncer des véhicules, mais. J'étais genre. Mais, genre là, si mon véhicule n'était pas cassé, je te tapais dans le cul. Genre là, par contre, vraiment, tu n'avais plus d'excuses. Je peux te. Ah, ouais, vraiment, mais vraiment, j'ai pas compris. C'est qu'on était tous les deux à basse vitesse. Et là, quand on a accéléré, j'ai commencé à accélérer plus vite que toi. J'ai fait, mais c'est pas possible, j'ai eu trop de chance ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, tu m'annonces que ton véhicule est pété, j'ai trop le seum. Mais genre, c'est pas genre, moi, j'essaie d'accélérer et. Tu vas te calmer, ok? Tu vas te calmer. Tu vas te calmer, ouais. Tu vas te calmer. À cette distance, je peux rien me faire. Oh, oh. À cette distance, t'es baisé. Je suis jamais baisé. Moi, je peux te mettre une balle, toi non. Si, je peux. Vas-y, vas-y, essaye de mettre une balle là. Ah ouais? T'es sûr? Mais je t'ai même pas buté! Mais t'es un putain de connard! Alors, je pensais que je pas que j'étais dans ta tête. Bah, espèce de gros mytho, voilà. Appeler un EMS, appeler un admin, il m'a mis une bad tête gratuitement. Moi, par contre, je suis vraiment dans le mal. À tout moment, j'ai un accident en vous. Oui, Anto, c'est vrai qu'il conduit. À tout moment, j'ai un accident en vous regardant en train de faire les cons. Gros. Attends, je vais te chier dessus. Gros. S'il te plaît, pour mes dernières volontés, prends soin de ma voiture. Je lâche ma merde. Mais c'est pas possible, c'est un putain de câlin, ce type, j'en peux plus. Oh, non, gros. Gros. Tu m'as buté avec le pompe dans les mains, tu me dois 90 000, sale bâtard. Tu me dois 90 000. Là, j'ai rien donné, frérot. Gros, tu viens de me buter avec le pompe. Jamais, frérot. T'as failli me buter avec mon flingue, donc dans tous les cas, ça revient au même. Mais gros, non. Non, moi, je t'ai pas buté. À aucun moment, je t'ai buté. Toi, tu me butes et tu. Mais t'es vraiment un putain de connard. Je viens de perdre mon pompe. T'as vu comment on en a chié pour l'avoir. Je te rends rien du tout. Au moins 90 000, déjà qu'on en a chié pour l'avoir. Au moins 90 000. Je peux te rendre 5000 si tu veux. 90 000 frère, t'es un putain d'enculé. J'ai rien à foutre. Dans tous les cas frérot, on est plus sur le jeu, qu'est-ce que. Mais tu moi veux, j'en ai rien à foutre, on en a chié pour l'avoir gros, tu me butes et je le perds, t'es ah ouais putain de bâtard. T'en as chié comme moi. J'en peux plus. J'en peux plus de ce type. J'en peux plus. Gros, moi je voulais pas te buter, je t'ai tiré une balle au loin en mode je savais que j'allais pas te buter, toi tu mets une balle tête et en plus tu veux même pas payer les 90 000 pour l'arme. Va te faire enculer. Va te faire enculer. T'es un putain de bâtard, tu me casses les couilles. Je t'aime mon frère. Je t'aime pas, voilà, regarde là sur le stream, je te fais des fuck. Regarde. Ils arrivent. Ah, mais il y a. Il y a les gars, il arrive à voir ça.
c'est un meurtrier, partez, c'est un meurtrier. Alors non. Il m'a tué. Bonjour monsieur, rebonjour. Rebonjour. Réparer les deux véhicules. C'est un meurtrier. C'est toi le meurtrier, t'as voulu tirer. C'est un putain de meurtrier. C'est de l'autodéfense, salope. Je peux pas être meurtrier vu que c'est moi qui suis mort, espèce d'imbécile, va. Je t'ai pas tiré dessus en premier, tu m'as demandé de te tirer dessus, espèce d'enculé, et après tu mets une balle tête, t'es vraiment un putain de bâtard. C'est toi, y'a aucune preuve. Si, il y a des preuves, je suis en live, espèce d'enculé. Moi aussi, c'est plus. Y'a des gens qui peuvent faire le contraire, mais on s'en bat les couilles. Vous avez entendu, monsieur le mécano, je suis pas du tout en train de parler alors que je suis mort, d'accord? Non, moi je vous avez écouté à cette conversation. Ah, j'ai mal, il va me tirer dessus, c'est l'autodéfense. Ta gueule, fils de pute. Il faut combien, monsieur? C'est 1500 par voiture, donc... Voilà, c'est bon. Ah, oh. Généreux. Généreux, oui, ça y est, c'est bon, j'en peux plus, là. Eh, non, t'es généreux avec lui, mais tu veux même pas me rembourser mon pompe, espèce de bâtard, va. Espèce de pute. Alors, Team. Merci. Certes, je vais tirer sur en premier, mais on est témoin que c'est lui. Il m'a dit, vas-y, tire-moi dessus à cette distance, je suis sûr que tu peux pas me buter. Et c'est lui qui m'a dit ça en premier. Et il me l'a dit. J'ai dit, ok, je tire. Et après, il me retire dessus comme légitime défense, mais faut pas me demander de me lui tirer dessus alors. J'en peux plus. Je suis par terre. Voilà, t'es trop con, frère. Ah, mais j'ai un médic. Ah, je vois plus gris. Oh, dinguerie. Hop là, j'ai pris mon petit médic. Tout va bien, moi. Qui a dit que ça allait mal? Allez, j'envoie un message aux admins. Je dis le joueur 21603 m'a free kill. Ta mère. Allez, rembourse au moins les 90 000, quoi. C'est au moins pour par fair play, gros. Tu quoi? Par fair play, les 90 000! Non, j'en peux plus! Bon, les gars, ce live m'aura coûté 100 000 $, donc s'il vous plaît, explosez la barre des pouces bleus. Ah non, putain, on est sur Twitch. Voilà, followez-vous en masse. Ah, invitez vos potes, followez-vous, faut passer les 40 followers là. Au moins pour rembourser les 100 000 $, quoi. Oh, y'a des giclées de sang! Je crois que le fair play n'est pas présent. Non, mais lui c'est la plus grosse pute de tout internet, ce type. Attends, je vais vérifier. Sa mère. J'en ai déjà vu des putes sur internet, mais des comme toi, gros, jamais. Gros. Sa mère. J'en peux plus. Oh, hey gros, verrouille ton véhicule et viens me chercher à l'hôpital avec mon véhicule au moins, sinon je vais me le faire voler. Hein gros? Ouais, t'inquiète. Yes, ça y est, je suis à l'hôpital. Tu veux me chercher avec mon véhicule? Ouais. Puis j'arrive avec ton véhicule. Tu pourras le tester un peu. Oh, il le sait pas là, hein. Mais j'attends soirée. Un peu exprès parce que je lui fais pas du tout confiance. Quelle soirée! Ah là là! Je me serais bien amusé, moi. Gros, il y a Team, il a essayé d'appeler le fair play, mais il est pas présent. Il vient de le faire. Le faire quoi? Attends, mais c'est un mot que je le faire fort, espèce d'enculé! Putain, sa mère! Mec, cette soirée, elle était intense. Elle était incroyable, j'ai juste perdu 90 000 $, mais c'est pas grave. T'as juste pété ton crâne toute la soirée. Mais gros, en fait, t'es pas fair play, mais jusqu'au bout. Genre, à la fin, même tu me butes et tu me rembourses même pas, t'es vraiment un bâtard jusqu'au bout. Tu te prendras un retour de karma un jour, je te ferai un énorme chèque, le plus gros chèque de toute l'histoire de l'humanité. Toi qui m'as attaqué en premier. Je t'ai pas attaqué en premier, tu m'as demandé de te tirer dessus. À un moment, faut pas demander. Faut pas demander, c'est tout, faut pas demander. C'est de la légitime défense. C'est pas de la légitime défense quand t'as demandé. T'es juste con, c'est tout.
Je vais chercher une excuse gratuite pour me tirer dessus et me faire perdre mon pompe parce que t'as le seum parce que t'en as pas trouvé, voilà c'est tout. J'en ai rien à foutre de ton pompe. Mais moi j'en ai quelque chose à foutre, rends-moi mes 90 000! Jamais. Est-ce que j'ai mes autres... Yes, au moins j'ai gardé mes deux autres trucs. T'as spawn vers quel hôpital? Parce que attends, il y en a plusieurs. J'ai spawn à l'hôpital 1 sur 8. Le 1, ouais, c'est parce que je me disais que c'est le plus proche. Quelle soirée, bordel! Ça fait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Hein. Putain, ouais. Toi, t'as rigolé, mais en même temps, t'as cassé ton crâne. J'ai cassé mon crâne, mais j'ai aussi énormément rigolé. C'est un mélange de cassage de crâne et de beaucoup de rigolade. Moi, j'ai surtout rigolé. Moi, j'ai surtout pété mon crâne. Ok, les gars. Mon objectif, c'est de conduire, de mettre le verrouillage de sécurité, de partir très très loin, mais genre hyper loin de tout, et juste de despawn là. Comme ça, quand il réapparaîtra, bah, il réapparaîtra très loin de lui. De tout. Yes! Allez, descends, laisse-moi conduire. Oh, il démarre pas. Non, mais c'est... j'ai pas trouvé le bouton, je suis vraiment trop con. Ah, bah oui, ça je confirme. On va à l'aéroport ou pas? Bah ouais, vas-y, on y va. Non, on va pas à l'aéroport là. Si, si, t'inquiète. Non. Si. Non. Si, si, si. J'ai une arme. T'as rien du tout. Mais pour rappel, moi aussi j'ai une arme. J'ai rien du tout. À côté des marabouts, t'as 100 plus. T'es vraiment con. Oui. Je vais t'emmener dans une ruelle sombre. Je vais te faire violer. Je vais te faire violer. Je m'en fous sur le véhicule. Vas-y. Non. Les gars, il peut pas sauter, j'ai mis le verrouillage de sécurité. J'adore le vas-y. Non. Non. Ça va aller. Non, je vais m'en passer. Pas trop envie. On m'a dit de t'emmener en haut du mont Chiliad, donc on va y aller. Et si je décide de pas descendre du véhicule? Bah, dans tous les cas, je pense quitter la ville en haut du mont Chiliad et te laisser seul là-haut. Non. Peut-être. Non. Non, en vrai, vas-y, je t'emmène sur une surprise. J'ai prévu ça avec des potes, des vieux potes du roleplay. Une surprise, t'es pas prêt. Ouais, t'inquiète. J'y crois trop. Regarde en vue intérieure. Attends, je vois pas. J'ai bougé. C'est un pute. C'est un peu menaçant quand même, monsieur. Vous. T'es sûr? Vous me semblez frustré. Non, pas du tout. Frustré et menaçant à la fois, ça reste très intimidant. Vous pouvez arrêter de braquer votre arme sur moi, s'il vous plaît? Là, je te braque ma bite. Putain, elle est belle, hein? Bon, bref, t'es pédé. Clairement. Tu sais, t'as le droit, hein, j'ai pas jugé. Hein. Non, mais t'as le droit d'aimer les gros rouges chibres. Y'a pas de soucis, moi, j'assume complètement. Poilu en plus. Ah ouais, t'as un appel du poil. Tu fais quoi là? T'inquiète, je t'ai dit, on va rejoindre des potes. Non. Si. Mec, pourquoi t'es au niveau des... Pourquoi t'as éteint les phares? T'inquiète, gros, on va rejoindre des potes, je t'ai dit. C'est inquiétant. Juste du véhicule, hein. Bah saute. Vas-y, descends. Non. Tu vas m'abandonner ici, sale chienne, va. Non. Rends-moi mes 90 000. Sinon, je te laisse ici. Non. Non quoi? Non. Il fait de Mario. Non. 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 Non, non, non. 90 quoi? 90 000 dollars en cash. 90 putes. En vrai, de vrai... Non, tu les auras pas non plus. Ah non, zut. En vrai, de vrai, ça aurait pu marcher. J'aurais conclu l'affaire. T'aurais dit, vas-y.
Au pire. C'est pas un beau bruit ton véhicule, hein. De fou. Il vaut combien? 800 000. Tu peux me le prêter? Si, si, bah vas-y. Non, tu vas le... Tu vas quitter la... Espèce de pute, va. T'es en bien milieu de nulle part, quoi. Je t'ai posé à l'endroit le plus éloigné de tout. Si tu veux rejoindre quelque chose à pied, t'en as au moins pour 10 minutes de course. Sale grosse. Ah ouais, t'es 90 000 dans le cul, moi je te dépose au milieu de nulle part. T'as envie de terminer la soirée ou pas, toi? Oh, viens, on part sur BeamNG pour finir. Mais oui, frérot, j'ai pas envie de terminer. Nécro, est-ce qu'il est encore là, des